bienvenue dans ce quatrième live hyper fast. J'espère que le son n'était pas branché avant le début de l'émission. Hyper fast en partenariat avec Samsung. Ce soir, nous allons nous affronter sur des jeux issus du Game Pass, sur les Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Tout le monde est réuni évidemment pour en découdre avec des jeux qui vont revenir aujourd'hui et un grand final qui se jouera sur un jeu de course tant attendu. On espère que Romain Grosjean sortira vivant pour participer à cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir, évidemment, comme toujours, la team favorite hein, qui a remporté plusieurs fois, puisqu'ils ont remporté la première et la deuxième édition de cette hyperface. Et quelle édition, hein. Bonjour, non, comment ça va, salut, les gars? Salut, ça va, salut à tous. Très content. Non, c'est le mec qui sait pas quoi dire. C'est la part de flan, elle était trop grosse. J'ai mangé trop vite, il va me falloir 10 minutes de process là. Il n'y a aucun souci, mec. Donc, Ken est là pour animer à ta place. Je te laisse faire. Très content aujourd'hui d'avoir mon partenaire Hugo, d'avoir un partenaire, un ex-partenaire Jiraya, un partenaire aussi dans la Team Pax là-bas, qui, enfin, on ne dit pas son nom, mais oh là là, il est là-bas, regarde. C'est un invité surprise. C'est un invité surprise et ça fait trop plaisir d'être avec des amis, quoi. Oh, je suis une ex. Hein. Très bien, merci, merci beaucoup, Xari. Hugo, pareil, je suppose. Oh, ouais, tellement content. Absolument pareil. Juste à côté, ils ont remporté la troisième édition hein, sur Forza 7 Human Fall Flat. Extraordinaire, Jiraya sur Human Fall Flat, d'ailleurs. Et World War Z, c'est bien entendu, la Team Le Mobile. Salut, ouais, salut à tous, ouais, ouais, salut, ouais. On est trop trop heureux d'être là ce soir, mesdames et messieurs. On va encore tout gagner. J'ai mis le chat, je sais pas si vous avez dit, sur mon magnifique Samsung Z Fold 2 de la marque Samsung. Je répète, la meilleure marque sur le marché. Merci à tous, très très heureux, on va gagner Jumpé ce soir. Bah me touche pas. Pardon, excuse-moi. Je suis emporté, Non mais bien sûr, on va gagner. Il y a que des jeux en plus qu'on adore. Donc ça va être genre Golf with your friends où on est Si je t'emmerde tu me le dis. On est imprenable sur Golf with your friends. J'espère donc ce soir. Ça va être facile. Juste à côté de vous, la team invitée de cette soirée, team de stars, un plateau incroyable, car eux vont avoir le droit de jouer sur Samsung Galaxy Tab 7, parce que voilà, plus grand écran pour plus grand confort. C'est Domingo et Magla, bonjour à vous. Salut. Comment ça va, les gens? Ça va et toi? Oh bah parfaitement. Au max. Après, hein. Après la 8e heure de stream, au max. Complètement au max de ma forme. Content d'être là, PA. Hein. Quelle équipe? Oui, très. très. Enfin dans l'hyperfast avec Magla, je vais être contre mon ami de la Team Pax, quoi. Voilà, il va falloir. Il a eu du mal à le dire, Ami. Hein. Franchement. Il est si loin. A-word. L'amitié est si loin. Non, l'amitié, elle est très présente. Arrêtez. Toujours, au max. Évidemment, avec trois jeux qui vont être aujourd'hui le théâtre des affrontements ce soir. Halo 5 qui fera son grand retour avec trois modes de jeu de Halo 5 sur lequel les joueurs vont s'affronter. Puis nous enchaînerons avec Golf with Your Friends, bien entendu, le jeu du Z-Event, hein, très 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 connu par l'ensemble des participants. Et on se terminera sur F1. Mais Golf with Your Friends aussi. C'est pas le même, c'est pas pareil, Ken. Ça n'a rien à voir. Ça joue au golf avec tes amis, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la même physique. C'est vrai, mais vous le connaissez tout aussi bien. Faut dire les termes. Le connaissez tout aussi bien, vous avez raison. Et on se terminera sur F1 2019. Voilà, présent aussi sur le Game Pass. Version très très rapide. Alors évidemment, on mettra toutes les assistances ou une grande majorité des assistances histoire de ne pas voir des petites sorties de piste à répétition. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Et on va commencer tout de suite avec le premier jeu, évidemment. C'est Halo 5, qui est la première game qui va se lancer sur le mode. Assassin hein, sur. Ce sera de l'assassin map, avec Assassin, ça sera de l'assassin. Ça commence de l'assassin. Fort. Hein. Ouais, assassin, de l'assassin. C'est map notre, Assassin mode, Deadlock. Là. Voilà, score 50 pour le nombre de kills, évidemment. 50 hein. Oh là là, 10 minutes la map en 2v2v2v2, un truc tranquille. En plus, il y a un homme à abattre ce soir, je crois que c'est Domingo. Le joueur professionnel. Le joueur même prodige, on peut le dire. Ouais,
J'avais pas vu. Pas passé loin d'une carrière pro. Finalement, je suis là ce soir. Je suis dans la bonne équipe du coup. À cause des croisés, non. C'est pour ouais, ça va. Tu connais hein, les ligaments. On l'appelle Gourcuff dans le milieu. Ça fait très mal. Non, on avait gagné, ouais, je crois. Ah oui, oui. Par contre, sur Halo. Mais après, on avait joué à Halo 3. Après, il y avait Loan aussi. Dernière rencontre. Et c'était du 5 contre 5 aussi. Alors que là, ouais, le mode assassin, on connaît pas exactement encore avec Magna. Ouais, non, non, ça aurait été très rigolo. Tu peux peut-être nous l'expliquer un peu, Ken, non? Ben oui, alors, il s'agit juste de faire le maximum de kills en équipe, hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas simple. Celui qui arrive à 50 kills, bien remporte ni plus ni moins que la game. On prendra le classement, voilà, au niveau du nombre de kills. 50 points, ce sera les deux points du classement. En dessous, eh bien, un point et zéro point pour la team qui arrivera dernière. Ken. 2v2v2, alors attention, le dernier coup, il y avait quand même... Ken, j'ai un souci. Mon abonnement au xCloud, c'est terminé parce que je me suis abonné très très tôt. Du coup, on me réabonne. Vous pouvez peut-être faire une game sans moi au départ. Une game sans toi, c'est avec Zary tout seul. Bah, je ne sais pas, les gars, mais il va falloir temporiser Mais tu veux un compte avec un abonnement moi. Mais ça arrive. Là, je suis en train de me réabonner. Gilles en a 10 au moins. Enfin, si tu veux ça. Moi, j'en ai autant que j'ai de téléphones Samsung, si je peux te permettre. Hein, donc, autant te dire que waouh, si on pouvait multiplier par l'infini. mais sinon, en vrai, j'ai un compte Game Pass, moi. Oh, mais t'inquiète. J'ai un compte Game Pass aussi. Ouais, hein, je peux te le mettre. On fait quoi du coup? On fait une game? Non, mais allez-y, honnêtement, je joue un V2. Non, mais tu sais quoi? Au pire, on se fait. Mais non, il a dit, il va. Non, mais tu sais quoi? Lance la game, petite chauffe, là, la tâche. On se fait une petite chauffe. On se met dans l'ambiance et tout. Ouais, et dès que ça va lui laisser le temps de se connecter. Tranquille. Et dès qu'il est quoi? On y va. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Allez-y, les gars, allez-y. Chauffez-vous un peu, allez-y. Lancez une game sans le grand, l'immense Hugo. Alors, mettez vos équipes. Je sais pas si vous pouvez les voir. Nous, on est bon, c'est Xary là qui va. Ouais, c'est Xary. Mets-toi en équipe jaune ou enfin ce que tu veux. My bad. Mais y a aucun souci, Xary. Honnêtement, on va pas t'en vouloir pour ça ce soir. De toute façon, Domingo peut peut-être vous 1v4 tous, hein, quelque part. Peut-être. Comment je me mets en équipe jaune? C'est pas moi qui choisis, en fait. Si, Xary, en fait, si tu veux ta équipe dans ta partie personnalisée, fais voir. Voilà, en bas, descends et là, t'as équipe. Option et joystick droit. Y a pas de souci. Team jaune, c'est appuyé, impeccable, Xary. Xary tout seul. Voilà, Xary est seul et nous on va s'entraîner un petit peu. Comme ça, Magla, je sais pas si t'as déjà joué au jeu. Il y a longtemps. Bah, tu pourras te remettre un petit peu avec les contrôles et tout. Mais c'est en fait, un FPS où il faut mettre beaucoup de balles dans le corps pour tuer. C'est voilà. Vrai. Ou alors, okay, coup de crosse. C'est très bien. Crosse à l'ancienne directement. Chut, assassin dans le dos, mort. C'était signé. C'est parti. Tout à fait. Alors, on rappelle. Il y a les véhicules ou pas? C'est une game de chauffe, hein, évidemment. Ah, il y a les véhicules? Bon, bah, j'y vais alors. Bah, j'imagine. On rappelle, Coupé est un grand fan des véhicules. Hein, ah ouais, derrière. Non, pas les véhicules, moto, c'était un cauchemar. Ah non, c'était pas un cauchemar. C'était. Si vous prenez un Warthog, prenez-le à deux, s'il vous plaît. Non, mais moi, j'ai. Putain, c'est chaud, gros. Vraiment, faut qu'on reste ensemble parce que PA est massacré. Le mec, écoute, je parle à part. Magla, hésite pas à faire ta vie, t'inquiète, normalement, je les gère. En plus, il joue sur la tablette. Oh, mais il a raison, Domingo, non, mais d'être confiant. Ça reste quand même le crack. Tu sais que la première mission, avec une balle, il nous a tués à trois. Hein. Il est vraiment bon. Il est intenable. On l'appelle Billy the Kid. Dans le milieu, incroyable. On l'appelle même plus. Je te laisse. On l'appelle plus, on le siffle. Il est trop fort. Sa réputation le précède. C'est exactement ça. Dans cette première game de chauffe, voilà, histoire de prendre un tout petit peu ses marques pendant que Goudélire nous rejoint. Halo 4 hein, qui sera du coup le premier jeu. Golf Future Friend juste après. Ça, c'est la map qu'on a. C'est la map de Junpei. Ça, je me souviens. C'est notre map, ça. C'est les véhicules, ça va être terrible. Non, pas de pression, Ouais, 100% tranquille. Généralement, prendre le véhicule, c'est s'assurer la victoire, d'après ce qu'on avait compris. Magla, prends le véhicule. Le dernier coup. Point de vue de Jiraya qui choisit le pompe. Alors, ouais, pas spécialement réussi le pompe, hein, puisque le pompe souvent utilisé de loin et ne fait pas spécialement énormément de dégâts. Écoute, je conduis très bien, je pense que tu le vois. On va prendre le Rocket. En hyper vitesse, la Gige. J'ai l'impression que ça connaît déjà quelques emplacements d'armes. C'est vrai que le lance-roquette très très fort sur cette map. Jiraya qui est en train d'explorer un peu, tel le Battle Royale. Et ils sont déjà dans le véhicule. Oh là là, mais il est trop fort! Mais sa réputation a-t-elle précédé ou va-t-il trop vite pour elle? Ah, je ne sais pas, mais ça va vite en tout cas. Oh là 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 là, là. C'est pas où ils sont, c'est pas les mêmes. Jiraya qui semble avoir pris malheureusement le premier kill. Déjà 2 points pour l'équipe rouge, ça va vite. Un véhicule où tu peux pas tirer, c'est pas ouf. Ouais, ce véhicule il est pas mal. La moto volante, Junpei qui est encore dedans. Alors Junpei, je te rappelle que Jiraya est avec toi. Mais c'est par amour. Non, c'est ton ami. De quoi tu me parles? Bien entendu, pour éviter de vous entretuer, de vous entrechoquer. Véhicule juste là, mais tout seul ne te sera pas très très utile, hein, de toute façon.
Ah, attention, c'est Junpei qui tire, mais attends, mais je comprends pas. On passe de quel point de vue là, mais vous en faites. Et du coup, Quand t'es genre véhicule face à personne solo, tu. Eh bah, t'as une gueule, c'est gagné, voilà. T'as une sale gueule. Voilà, voilà, c'est. Normalement, c'est gagné. Ah, mais moi, je suis gueule par le véhicule. La pisse aussi. Est-ce qu'on peut me remettre le jeu, s'il vous plaît? Parce que quelqu'un m'a déconnecté du jeu. Ah, il y a une petite déconnexion du côté de Magla. On va te remettre ça immédiatement. S'il y a un véhicule, je serai toujours sur le véhicule et jamais sur toi. Ah, Domingo. C'est vrai que c'est impressionnant. Si on a pu voir la POV, c'est assez fou. C'est malade hein, un peu, non, ce qui s'est passé. Que j'ai produit. Ouais, c'est vrai que j'ai pas. Ma coéquipière est pas là. Non, il y a eu sabotage. Je pense que les types là-bas sabotent. Non, mais ça va, tu meurs jamais, gros. Il se retrouve tout seul. Junpei le décès. Juste. C'est tué. On s'est entretué. T'as pris la dernière balle dans la tête à la fin. Ah, vous avez vite compris hein, que le lance-roquette, il est au centre, évidemment, bien exposé. C'est encore Domingo qui vient d'abattre Jiraiya avec son lance-roquette. Faut dire qu'il avait déjà entamé la barre de vie bien nettement. Pique évidemment le lance-roquette. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à ce mec-là, quoi? Ouh, c'est quoi ça, Xari? C'est un gros fusil, ça? Je sais pas ce que c'est, mais. Aïe aïe aïe. Ça peut faire des gros dégâts, une espèce d'immense sulfateuse. Par contre, tu es très à découvert. Ouais. Surtout, je peux pas sauter, je peux rien faire là. Éventuellement à découvert et tout lent. Après, j'ai fait un kill, ce qui est déjà énorme pour moi. Sifrag, hein, déjà pour l'équipe des guests. Ici, les challengers. Ben, je crois que c'est les rouges là. Ouais. Dis, on est chaud, hein. Et sans véhicule, je sais. Ah, Magla, vous êtes en bleu. Ah, oui, vous êtes en bleu. Ouais, on est bleu. Ah, vous êtes en bleu, d'accord, vous êtes en bleu. Ah, je vous avais vu en rouge dans le menu. Bleu, bleu. Et du coup, ouais, c'est les rouges, hein. Junpei et Gigi qui connaissent hein, quand même un tout petit peu. Plaisir. Oh, Xari, t'es sérieux? Xari tire dans les murs avec le lance-roquette et ça fait des kills. Ouais, c'est la game de chauffe. C'est beau, c'est beau. C'est de la chauffe, c'est de la chauffe. Xari vient de prendre la même, gros. Ah, j'ai plus d'intrigue. Attention, là, c'est en train de viser de très loin. Junpei qui essaye de prendre un kill sur Xari et Xari s'enfuit assez rapidement. Oh, Magla! Petit décalage ici, il est tout seul à découvert. Oh là là. Mais ça saute comme dans Fortnite, mais Magla est peut-être que la game de... Ah, moi je saute. Hein. 50 kills pour la game de chauffe Bah, non, c'est ce qui était marqué. Hein. Ouais. Hugo arrive et puis ça va aller vite. On est déjà dit, de toute façon, le compteur est bloqué à 10 minutes, quoi qu'il arrive. Attention à cette mise au centre, la Xari qui GG, est ça, bien la juge. À découvert. Ah, je suis un V2 aussi. Ouais. Non, mais... Ah, j'ai l'impression que les stratégies d'équipe sont approximatives de toute façon. Bon, les gars, apparemment, c'est pas moi. Ce serait le... Ah, oh putain, ça marche. Ça marche. Oh, miséricorde. Je l'ai écrasé. Tu vas exploser. Junpei a démonté ici ma glace. J'ai mis l'hyper vitesse. Pas propre. De très très loin, de très très loin, Xari. Qui essaye d'atteindre. C'est des kills, ça. Mais c'est pas pour hop, ça. Oh, cette esquive est pas mal, hein. Magla, t'as évité la mort. Ah, il faut absolument le toucher par derrière. Devant, il ne prendra absolument aucun dégât. De face contre la moto. Non. C'est compliqué. Oh, je suis roulé dessus. Qu'est-ce Comment que vous c'est faites ça le dash là? Je savais pas qu'il y avait un dash. B. C'est B. Ouais, B. Y a pas de dash. Si. Si. Ah ouais, elle a fait un dash. Tu peux attendre le côté rapidement, tu vois. Je savais pas. La dinguerie du siècle, ça. C'était un peu l'esquive. Tu me stresses, je sais pas où t'es. Attention, Junpei toujours sur le véhicule, c'est véhicule man hein, de toute façon. Voilà. Ah, mais tout à l'heure j'y étais pas. Ah, va repasser juste ici, face à lui. Jiraiya qui a Xari dans le viseur là en vrai. Attends, mais faut tuer maintenant monsieur. Faut mourir, voilà. Est-ce qu'il va récupérer le lance-roquette? Non, peut-être pas. Monter dans le Warthog, quoi. Pas du tout. Et bon. Ça kill nickel Magla dans les airs. Jiraiya qui prend le kill, mais il revenge kill immédiatement derrière. Il remonte les bleus, mais c'est quand même 13 points marqués pour la team Le Mobile. Mais descendre ton véhicule. C'est chirurgical à ce niveau-là. Je peux descendre. Alors Hugo, est-ce que t'as rejoint la game ou pas? Non, faudra qu'il retourne dans un lobby pour que je puisse le rejoindre. Ok, d'accord. Très bien. En tout cas, il est connecté, c'est parfait. Et Junpei qui derrière la roche Xari ici. Regardez Junpei. Junpei qui a lâché son véhicule. Ah oui, aïe. Désert Eagle du futur. T'es bien eu là. J'ai tué Xari. Oh, je me fais tirer dessus. Ouais, d'accord, Xari, bouge pas. Xari tire pas. En fait, Xari observe. Xari. Oh, Xari contre Junpei, c'est le 1v1 le plus mandalorien de l'histoire. On shoot, gros. Passionnant. Oh, je suis abasourdi. Il y a Gigi à 9-5, il y a Junpei à 6-2, ils sont imprenables, les mecs. Hein, je me suis fait pomper. Faut vraiment pas me. Prends un véhicule, Xari. Non, je peux pas.
sont imprenables. Ouais, vous allez pouvoir du coup vous pouvez quitter. On a vu la chauffe, on a vu. Attends. On a vu aussi qu'il fallait mettre 20 kills et pas 50, hein. Sinon on s'en sort pas. Ok. C'est pas possible. Pour la prochaine. Aïe aïe aïe. Hyper face dans la mort, moi. Voilà. Ah non. Vous pouvez retourner dans le menu. Je sais pas qui a le. On se moque, c'est la game de chauffe. Les reines du lobby, mais les reines du shopping. C'est la game de chauffe terminée. Si vous pouvez retourner pour que Hugo puisse vous rejoindre afin que l'on ait non, là, j'avoue, c'est pas le du fair jeu. Play avant tout dans cette partie. Dégage. Allô. Allez, non. Moi, je suis parti, hein. Non. Mon Magla, tu sembles avoir pris tes marques. Okay, ouais, non, oh non. Putain, j'avais fait oh Magla. Quelle game de la Gige, hein. J'espère l'avoir sur ta chaîne YouTube. Bah, disons que ce sera dans ma Frag Movie, quoi. C'est un record du monde. Frag Movie avec une petite musique d'évanescence derrière. On quitte au rien. Oh, tu mets pause. On fait quoi du coup? On recommence? Ouais, vous remettez dans le lobby, vous recommencez. Et s'il vous plaît, mettez pas à une game à score 50, okay, okay. Mettez à une game à score 20, parce que sinon. On en a pour une soirée. Ouais, c'est ça, sinon on en prend une soirée quand même. Je vous en conjure. Mais le plan était déjà assez gros. Quand même avoir un demi-point quand même là-dessus, non? Non, bah non, c'est Écoute, vous avez été somptueux, mais si vous avez été somptueux là, vous le serez tout autant avec Hugo. Donc je pense que vous ne confirmerez que ce qu'on a observé. Donc vous en faites malheureusement, pas. Malheureusement, il n'y a rien à gagner. Il y a encore. Qui était en tête? J'ai pas la gloire. En tête, très largement, la Team Le Mobile. Donc la tablette n'est pas une si grande. Attends, je prends mes marques. Attends, ça comptait pas là. Première game de bague là. C'est surtout, j'ai bien regardé le petit jeu de Domingo. Il faut de machin et tout. D'accord, ok. Quand il s'agissait de prendre un duel, mon pote, je faisais pas le bon. Hein. Donc, Hugo, il a remarqué que tu pouvais faire du 1v1. On est mort, Magla, il a capté. Il a capté. Je peux te dire qu'à plus d'une fois, il m'a fait baisser les yeux. Je l'ai vu 2-3 fois vraiment lâcher la manette. Alors, attends, je me mets dans ta team, mon Rey. Impeccable, tout le monde est réuni. On est bon, on est bleu. Les rois du. C'est bon, voilà. On est parti pour 20 points là. Allez, 20 points. C'est parti. C'est nickel. Allez, let's go. En tout cas, c'est bien, ça doit être un bonheur au son. Ah oui, oui. Tu sais, tous les 6 là. Ah putain. Merci. Latifa s'en donne à cœur. Latifa qui kiffe. Tu peux nous mettre un petit pouce en l'air, peut-être, Latifa? Pouce en l'air. Elle pousse en l'air. Okay. Elle a mis un doigt. Hein. Elle a mis middle fingers. Elle n'a pas mis que le pouce. Juste... Eh ben super, c'est à vue Mister B, non? Merci à tous. Alors évidemment, ce qu'on a remarqué, c'est que Jiraiya Junpei forme un duo fort efficace. Hein. Domingo qui a évidemment les armes pour s'en sortir dans les FPS. Et Jiraiya qui parle avec les doigts. Jiraiya et Hugo qui sont partis là. Bah, toujours le plus indiscipliné de tous. On est au travail, Xari, on anime, connard. C'est notre travail. Si nous avons un micro, ce n'est pas pour rien aujourd'hui. Tout le monde est mort de rire dans le chat, il y a au moins 2 émotes loul. Ouais, s'il vous plaît, mais mettez sa bonne ligne, si vous pouvez arrêter. On n'arrive plus à vous lire. Non, mais hier, je comprenais qu'il y avait personne, il y avait quand même Popcorn en face, mais là, normalement, il y a ça y est. Deuxième ration de l'échelle de nouilles. Là, ce soir, on a ramené Popcorn à la maison. L'immense qualité du programme, le Steam Channel. On ne va pas faire à pied les kilomètres de population. Ça rush quoi, le lance-grenade? Non, c'est de la lance roquette. Oh, Jiraiya. Ok, très très loin. Et Hugo, Hugo qui a compris qu'il y avait des dashs. Allez, c'est bon, on va se battre sur les trucs là. T'as vu, le dash te sort de ton corps. En vrai, c'est pas trop mal ce petit truc. Ouais. Pour pouvoir straffer rapide. Et c'est Xari qui a pris le lance-roquette. Ça y est, et ça récupère le véhicule. C'est qui, c'est Junpei? C'est Junpei dans le véhicule? Bah oui, tu veux que ce soit qui? C'est peut-être Jiraiya. On sait pas qui c'est, mais en tout cas, ils ont compris la technique, c'est con. Et bah oui, le véhicule, c'est fort. En effet, c'est fort. On le sait tous, hein. Vas-y, Magla, on le poche. Mais évidemment. Ouh, c'est pas très bon les roquettes au cac, hein. Attention, Xari. Oh oui, ah bah oui, forcément. C'est bon? Bah, j'étais mort, j'étais condamné. Domingo t'a tué, mais t'as tué. Tu m'as vu. Ouais, j'ai vraiment tiré dans le tas. Quoi? C'est terrible. Bien joué, Domingo. Ça, c'est propre. Il est énervé. Abattu au bout. Bravo, Domingo, s'il vous plaît. Allez, un autre kill ici, gratuit. Il est un peu loin, Junpei, peut-être? Grenade 1, grenade 2. Il était où? Oh là là, c'est Jiraiya qui s'est fait atomiser. Magla, ça spawn B, vas-y. Attends, j'arrive avec un missile. Il t'a entouré, parenthèse 1, parenthèse 2, ouvrez les guillemets. Mais oh non, ils sont sur. Bien sûr, Hugo qui a. Il y a un petit coach qui est parti là. Avance. J'essaye. Sur. Faut juste pas trop combler. Attention, c'est dur de viser là, visiblement. Il vole? Il y a une cible au sol. C'est qui? C'est Magla qui est un peu. Non, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? T'es sérieux? Dans le mur, c'est compliqué. Je peux pas lui tirer dessus d'ici. Ça toujours pas. C'est lui qui avait commencé, j'en ai pas. Dégagez! Magla est maintenant out of shield. Je vais te servir! Oh!
On arrête cette strat. Elle est bien, elle est bien. Domingo Carotti, évidemment. Est-ce qu'on se dit tous qu'on arrête les véhicules? Ah, tu vois, c'est énervant, hein. Mais non, c'est non, mais ça qui est le plus rigolo. Non, c'est un enfer, les véhicules. Moi, j'ai demandé un accord aussi la dernière fois, on m'a chié à la gueule. Mais regardez, on arrête et Domingo, il se fait abattre. Non, bah oui, on arrête après que Domingo se fasse abattre. Moi, ça me va. Moi, ça pas l'air de vouloir arrêter les véhicules, lui. Moi, je monte plus dans un véhicule. Ok, moi, pareil. Vous êtes sûr? Ok, oui, c'est oui. Faire. Et celui qui monte, c'est une salope. Alors ça, c'est propre. Oh non. Oh bien joué, il a une visée irréprochable, par contre. Fair play commun. Par contre, quand tu te fais tirer dans le dos, généralement, Gigi, c'est que... Moi, c'est vrai que j'ai pas vu un mec de la game. Vraiment, je rigole même pas. Faut monter... Gigi s'est fait abattre salement, mais moi, c'est moi, je bien... n'ai pas vu une personne. C'est le shoot de qui, ça? C'était vraiment pas... Putain... Attention, Hugo est en train de revenir. Presque 7 points, peut-être ici en versus. Au corps à corps, le point pris sur ma glace, 7 partout à présent. Parfois, quand tu sais pas où sont les gens, c'est horrible. Ah putain, il y a quelqu'un derrière. Ah, il y a plus de shield ici. Qui est en train d'allumer Hugo? On ne sait pas. Grenade, ça c'est moi. Ah, dès qu'il y a une grenade qui part, je sais que c'est Domingo. C'est le seul qui joue un FPS en fait de la team. Mais putain, je vais augmenter ma sens. Pas toucher un mec de derrière. Ah, ça semble être compliqué ce 1v1. Hugo qui essaye de mettre une petite tatane et qui a réussi à avoir Jumpé. Yes. Bien joué, Hugo qui passe. Oh, mais enchanté. Sérieux, t'as réussi quand même. Faut qu'on joue ensemble. La team jaune, c'est en train de s'envoler là. Ah, mais c'est ouf. Comment t'as pu le rater là, Domingo? C'est que j'arrive. Je sais pas, mec, j'ai une sensi. Là-bas. Ah, t'as une sensi du futur. Ah, oui, ça forcément. Ça forcément, évidemment, ce sont les réglages par défaut. On joue dans les conditions du direct. Oh, bien. Alors là, mon level, j'ai l'impression d'être Carlito sur un autre jeu. Ah oui. Oh, ceux qui commencent par ça et par Wars peut-être. Bien joué, ma glace, ça arrive sur toi. Ouf. Oh, j'ai pris une balle perdue là. Enfin, ouais. C'est quoi les grenades défendues? Très très grenade, bien défendu. Bien joué, c'est les gâchettes. Domingo qui a réussi à défendre Magla ici, à prendre le kill, à revenir à 10. Grenade, hein. Ça c'est juste en prévention obstacle. Ouh, l'abattage à cette distance, sérieux? Eh, niveau sensi, tu vis juste hein, quand même, hein, je dois bien avouer. Pas mal de balles qui arrivent dedans, et malgré ça, oh, il a failli crever. Oh. Zéro de vital absolu, faut recharger le shield maintenant. Ouais. Voilà, ok, il a réussi à récupérer un peu. Du soin en plus ne serait pas de trop. Oh là, on prend pas les véhicules. Consultant mais... e-sport à l'autre, je suis sûr que... C'est autorisé ça, les sulfateuses. Oh d'accord, ok, Hugo vient d'embarquer. Ouais. Ni plus ni moins que la sulfateuse. Parfait. Depuis Halo 3, hein, ça se détache ces merdes là. Oh, il y en a des cibles à viser là, en contrebas. Junpei face à face, Jiraiya. Évidemment, les deux joueurs de la même équipe. Je crois que c'était la Junpei. T'es où, Magla? Ah, oui, Magla, oui, Magla, de grenade qui, On est devant, Magla. Mais là, ça t'a pas tué? Ah, quand même. Xaric, repasse à 15 grâce au kill de Hugo sur Magla. Oh, ça tire de loin, ça. Hugo qui est en train de sulfater tout le monde. Oh, par contre, il a pris un petit grenade dans le shield. Il en perdra les trois quarts de sa vie quand même. Ça fait mal la grenade, hein, mine de rien. Oui. Hugo qui a la confiance. Hugo qui a la confiance. Hugo qui kill. Non, c'est pas possible. Face à Domingo en face. Non, mais Hugo qui s'est fait Domingo et Magla. Ah, il est. On a presque win en fait. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est hallucinant comment t'es fort, gros. Faut qu'on assure la deuxième place. 3 points. Franchement, Hugo, t'es impressionnant. En plus, il a zéro mobilité là avec sa sulfateuse. Ça fait une cible facile, mais il reprend un kill sur Gigi. Je te suis. Et là derrière, en essayant de viser très très loin. Oh, il prend la cible plus près. Qui essaye de le tester? J'ai pris la sauce. Par derrière, bien joué. Excuse pour ce point. J'ai pris la sauce. Domingo, c'est le moment. C'est le moment où il faut faire kill sur kill. Petit triple kill, quadri kill, tout faire. Bien joué, ça, c'est bien joué, Magla. C'était bon, j'étais nul. Enfin, j'étais nul. 18-15. Je suis horrible, je fais 2 Hugo, c'est y a que toi qui peut gagner. 18-15, évidemment, la cible à abattre, c'est Hugo. Si vous abattez Hugo, il y aura moins de kills, très probablement plus qu'un seul kill et c'est terminé. Je vois Hugo qui a battu Magla encore une fois. Et là, peut-être. Hugo, tu veux le dire, ça, vas-y. Bon, il y a quelqu'un, je tire. Jiraiya, aucune question de ma part. Kill Domingo. Ah, ils sont loin les autres, hein. Ils ont 5 kills. Hugo, il a fait combien? 16-5, il a fait Hugo. Ouais. Ah, c'est... Bon. Après, j'ai fait 4 kills. Ah mais Hugo! Ah les gars, vous êtes échauffés pourtant là! Le boss, niveau, là. C'est la base! On vous laisse une gamme de choses! Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, GG. 3-9, gros, quelle honte! Ah lui, ça, il a marqué 16 points! Bon, on remarquera que Domingo est à 12 hein, quand même! Et la paire Domingo-Manga a pas mal fonctionné! Ah oui, il y a eu des beaux duels! Ah le crâne, ça c'est notre fait. C'est Gigi Junpei, dès qu'on leur a retiré les véhicules, il n'y a plus rien qui passait. Je trouve que c'était un très bel acte d'ailleurs, d'arrêter les véhicules. C'est une très bonne idée. Un acte militant.
absolument magnifique. Est-ce qu'on change de map, mon Ken? Oui, on va changer de map. On va passer déjà dans un autre mode. Ah, c'est un crâne. Va jouer en mode crâne et on va jouer la map. Oh, c'est horrible. C'est quoi le crâne? C'est quoi? En gros, tu dois récupérer un crâne sur la map et après courir. Et tu dois le garder sur toi, mais tu ne peux pas attaquer. Donc, faut que ton pote te protège. Si, tu peux attaquer. Ah, tu peux? Vous êtes sûr qu'on tue one shot avec le crâne? Corps à corps, non? Corps à corps. Ah, c'est ok. Le crâne sur on met 200 points, Ken. On met 200 points. 200 points, oui, s'il vous plaît. Le crâne, crâne aux mille merveilles. En vrai, le crâne, c'est bien. Le crâne aux mille merveilles. Matt Stasis, si vous avez. Ouais, je suis en 32. Je suis le crâne aux mille merveilles. Rejoins-moi dans la caverne. Magnifique. Vous avez vu ces derniers par contre? Non. C'est une catastrophe. Ah oui, c'est nul. J'ai envoyé un message. J'ai dit gros, c'est nul. Ça l'a vraiment, t'abuses. Merci. Ah bon? Ouais, désolé, toi. À qui t'as envoyé un message? Le TikTok de Norman? Ah, Genus, ça va, Genus, j'ai dit. Ah, le dernier TikTok de Norman? Oui, c'est moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ravite, c'est pas. Ah, c'est bon. On est avec toi. Ah, c'est bon, on est sûr. J'ai découvert le Mamacita un peu tard. Ah, t'as pas vu l'italien là? Oh là, mais au moins tu l'as découvert parce que c'est vraiment une pépite. Ouais, c'est la plante. Il a fait le tour du monde. D'ailleurs, hier, dans la Discord, on a eu un viewer qui était, qui était italien. Et on lui a fait écouter le TikTok de Norman. Il dit ça veut rien dire. il y a le mot princesse. Il a dit, juste la princesse. Buonasera, la principessa. Il fait bonsoir, la princesse. Et voilà, c'est tout. Avant, au début, je sais plus. C'est tranquillamente. Tranquillamente. Mais avant, il dit par contre, je sais pas, il tentait un truc, mais ça veut rien dire. Est-ce qu'il a quand même apprécié ou pas? Non, il a apprécié. Quand même, Norman, hein, je tiens à le féliciter. Un mois et demi qu'on en parle dans le récap, 2000 abonnés. Bien joué. C'est vrai. Oui, mais après, il n'y a pas tout le monde qui est sur TikTok. Ouais, mais puis même, c'est oh. Ça. Par contre, j'ai vu qu'il y avait pas faut mal que ça reste de niche. Faut que ça reste de niche. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas mal de streamers là sur TikTok. Ah oui, il y en a de plus en plus. Le crâne. Le crâne. Le crâne. Alors, on est sûr que dans cette map, le crâne est accessible. Vous vous souvenez? Il y avait une map où le crâne, on n'arrivait pas à le trouver. Oui. Donc, map des Lego. Ouais. Ah, le plaisir. Ouais, on avait pas mais moi, je vais me perdre, hein, 100%. C'est parti, non, deuxième game. Dites, on cherche. Magla, full focus sur le crâne, ok? Le crâne. Okay, donc, vous avez la position, évidemment. Zari qui vient de le récupérer pour la première fois. Donne le crâne, là. Alors, je rappelle, vous avez quelques jumps. Non, mais pas moi, ça sert à rien. Mais je m'en fous, je le fais quand même. On fait des points sur les autres? Ouais, non, c'est le temps de crâne. Juste ramasser. Donne le crâne. En gros, c'est le temps de crâne. J'ai le crâne. Attends, mais je l'ai lâché le crâne alors que je voulais attaquer avec. Ouais, le crâne est lâché. Là, c'est Magla qui est parti derrière. Je te couvre, Magla. Oui, oui. Oh, belle esquive. Faut aller de l'autre côté, je crois. Comment on attaque avec le crâne? Je le garde un max, non? Le coup du corps à corps. Non, coup du corps à corps. Un coup, tu sais, le coup de cross. Ah, j'ai fait ça et ça m'a lâché le crâne. Ouais, ça, c'est tirer, c'est lâché. Ça me dégoûte. Et ouais, Zagari qui a lâché le crâne et c'est Hugo quand même qui l'a récupéré. Ils sont à 19 secondes de crâne, on est bien. Attends, tu l'as lâché aussi? Ouais, faut faire gaffe. Après, quand tu le lâches, évidemment, tu le mets. C'est-à-dire 19 secondes, faut l'avoir le plus possible, quoi, en gros. Ouais, 200, ouais, 200, faut arriver à 200. Ah, ok, 200, d'accord. Vous avez gagné. Je pensais qu'il fallait ramener en mode. Non, non, il faut l'avoir le plus. Non, c'est vraiment garder le plus longtemps possible en étant cover. Il y a un bug? Ouais, je sais pas, tu t'as pris une mine et tu t'es fait repousser un tout petit peu. Coup de cross, est-ce que ça récupère le crâne? Hugo l'a toujours là? Non, non, Jaria là, récupère, le kill juste derrière, la récupération bien sûr. C'est qui? C'est Magla. Hein. Magla qui s'occupe du crâne et Domingo qui s'occupe du cover. Domingo pour la récupération. Ah, elle est tout seul avec le crâne maintenant. PA qui s'envole. Oh, attention, il vient de croiser un rouge. Il a préféré descendre immédiatement. Changement Waze, changement d'itinéraire du GPS. Gauche, droite, c'est la gauche qui est choisie. Normal. Jiraya, il arrête pas de me tuer alors que c'est pas moi qui ai le crâne. Domingo, il est tout seul, il est en train de scorer comme un porc. Oh, par contre, il se fait tirer par derrière, le bouclier a pris. Mais la stratégie du saut semble avoir fait. Belle visée. On a pris du temps, on l'essuie. Où le crâne là? Magla est juste derrière. Personne ne l'a récupéré pour le moment. Ouh, coup sur kill. C'était vénère ça. C'est Junpei. C'était vraiment vénère. Ils vont pouvoir marquer leur premier point ici, la team Le Mobile. On avait déjà un point par contre. C'est vrai. Arrête, j'ai pas le crâne. Leur deuxième point. Bon, Junpei va pas le garder très très longtemps ici, ça va mourir récupéré par Magla peut-être. Ah, il s'envole, mais il est très très rapidement apparaît, c'est Domingo qui a le crâne. Putain, mais des animations, gros. Exécuté ouais, par excuse-moi. Oh oui, c'est pas mal. Là, la gige, là. Oh, c'est malin. Oh là là, cette petite planque pour par à contre-pied j'arrive. Les adversaires. Oui, le crâne. Allez à droite, allez à gauche. Bah, moi qui l'ai. Utilisez le manque de talent sur la sensibilité de la manette. T'as capté. C'est complètement bien joué, oui. Punaise. Ah, qu'est-ce qu'on kiffe, hein, ce genre de gameplay émergent. Quand tu mises toute ta stratégie de jeu sur le fait que les autres peuvent pas jouer convenablement, c'est tellement bien.
Je me suis tué avec ma grenade. Oh là là, et ça commence à scorer, ils sont bientôt à 100 points là. Ça descend et ça remonte. Bon, je pense que ça peut fonctionner longtemps comme ça. Franchement, c'était magnifique. Je pense que t'as battu Arcor là. Quelle possession de balles. Grosse, grosse possession de crâne ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as, Magla? Magnifique. Non, je l'ai fait, il est tombé. Magla qui l'a laissé filer. Là-bas, ok. Et c'est récupération pour Xari et Hugo. Hugo qui a le crâne et du coup qui s'envole aussi. Alors, va-t-il maîtriser le réticule comme jamais? On ne sait pas. En tout cas, il est loin. Il est indiqué sur la map. Hein. C'est ça qui est terrible quand t'as le crâne. Ça one shot pas. Ah, ça, ouf, ça fait mal. Ah, si, ouais, ça a pris 2-3 balles et je pense un coup. Peut-être que ça two shot parce que ça casse le bouclier. T'as un bouclier avant. Hein. Tu peux pas forcément one shotter dans le jeu. Faut d'abord. Tombez-le là. Ouais, tu vois, il t'a un cooldown qui te permet de récupérer le bouclier. Alors, allez, Maglas, pour toi, ce crâne, il est pour toi, ce crâne, Maglas. Le crâne ici. Ah, bien vu la grenade. Oh là là, mais oui, en PA, il a repris. Oui, Magla, oui, Magla. Ça c'est Magla. Super, vas-y, on va par là. Oui, Magaté. Impossible. 84 points et bientôt la centaine de points. C'est marrant, toi. On va se coincer. Putain, ouh, c'est grenade quand même. Oh, enfin, t'as lâché le crâne. En fait, t'as lâché le crâne. La grenade, elle est décisive. Il est où le crâne? Mais derrière. En voulant se défendre. PA, il lance des grenades de partout. Mais en vrai, c'est OP, hein, les grenades. Oui, oui. C'est vrai que c'était pas une scène de ouf. Je te couvre. Le crâne aux mille merveilles. Je suis le crâne aux mille merveilles. Rejoins-moi dans la caverne. Bouffe dans ta mère. Oula, Jiraya qui tente le 1v1 avec son crâne et qui a réussi. Non, il m'a fait bien mal et les balles derrière, ça. En fait, ça touche shot le crâne. Ça touche shot, d'accord. Putain, faut que tu bien joué, Jumpé. Impeccable. Récupération juste derrière avec une belle esquive de côté. Un Xari qui va plus s'enfuir. Ah, ça, la grenade. Ouais, ça. Tu l'as. C'était attendu. Bien sûr, qui va récupérer? C'est Domingo. L'ennemi détient le crâne. Oh, Domingo qui va passer au-dessus du ponton sans se faire toucher. Il a pas le temps de regarder derrière, c'est difficile. Hein. C'est pas la souris où tu peux comment on fait pour mettre un coup de machin. J'arrive pas à mettre un coup de crosse non plus. Bah, le crâne, il est là. Tu m'énerves. Attends, mais. Le Zari, culasse, c'est pas moi qui avais le machin. Magla, pense au crâne. Je pense au crâne, regarde. Magnifique. Domingo, c'est vraiment un pass-skater là dans le mode. Ah ouais. Alors, en tout cas, ils sont légèrement devant, même si c'est rattrapé par la team. Les rois du paf. Mais il se barre le crâne. Il est dessus, ok, bon, ouais, c'est le mobile. Aide-moi. Ah, mais t'as pas ton collègue, jeune fou. Là t'es bien. Jiraya qui essaye d'abattre tout le monde au crâne. Hein. C'est bien. Comment tu fais quand t'as le crâne pour taper? R1. Comme la crosse, mon gars, d'accord. Et c'est comment le coup de crosse? Parce que R1, c'est RB. Qui détient le crâne? R1, RB, ouais, il y a deux écoles. Je suis loin, je peux pas. Oh putain. Deux écoles, mais là ça ne scorera pas beaucoup et c'est la récupération juste derrière. Après, il y a quand même une tenaille. Je sais pas si Domingo va pouvoir le conserver très longtemps, il a réussi à fuir. Tout de même, le malin. Boum! Voilà! Il attendait à la retombée. Petit coup de crâne. Prise de crâne! Ça c'est génius. Ils sont passés à 115 points. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas mal. Oh, ça m'a TP! Ouais, ça arrive des fois, tu prends des petites explosions qui te décalent. Attention, d'accord, ça laisse le truc qui t'explose à la gueule. Putain, c'est stylé ce crâne qui est lâché. Mais c'est une panne! Je l'ai. Là, j'ai abusé. Lâché en dévers, mais c'est Junpei qui possède le crâne à présent. Junpei a le crâne. Oh, ça c'est Xari. Oh, ça peut être intéressant ce qu'il tente de faire. Ah non, aïe, oui. Oh, c'était intéressant jusqu'à ce qu'il prenne 3 balles dans le ventre. Il va redescendre. Oh là, il y a trop de monde, Ouais, c'est un peu la cagade. C'est bien, mon joueur. Je fais une quad feed. Domingo qui a kill. Il y a eu 4 kills là, d'un coup. Et qui du coup récupère ce crâne. Avant les respawns, il va pouvoir scorer un tout petit peu. Et ça joue la jungle là, visiblement. Quoi? Hop là! La grosse tête là. Ah oui, d'accord. Oh! Mais putain, c'est qui le mec là? La gestion du crâne d'Ego est sombre! Quoi, j'ai le crâne! ils sont oh putain, il y a un rouge! Complètement devant! Je suis là! Les rouges qui sont, oh, putain, qui sont parmi nous. Crâne! Évidemment. Je me suis fait exploser. J'ai pas pris, toi. Le front de gauche. Moi j'ai tué les deux. J'ai pris une seconde. Ok, Magla, c'est pour toi. Putain, Magla tranquille avec le crâne, bien cover par Domingo juste derrière. En vrai une deuxième place c'est correct hein mec. Ah c'est correct. Attends, deuxième place c'est bien. On est content de ce qu'on a. La cover ou pas? Putain mais qui a un lance gros? C'est insupportable. C'est moi, désolé. C'est bon. J'ai récup là, c'est. Domingo évidemment qui a le DPS. Et Magla continue de scorer hein. C'est bien là ce qu'ils font. C'est bien le travail d'équipe. Désolé, Domingo derrière mais qui a perdu de vue Magla malheureusement.
Occupe de PA. Bon, c'est pas grave, après, il peut récupérer. Ah, trop fort. Vous étiez tous à la queue leu-leu. Mais PA, mais t'es trop. Il nous reste 38 secondes à scorer, Magla. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Est-ce qu'on l'a donné? C'est bon. Merde. Mais prends-le, ce putain de crâne, sale con. Je te couvre. Derrière, une année. Je pense qu'il faut qu'on la donne au bleu, là. Pourquoi? Qu'on gagnera pas et que les rouges, il faut pas qu'ils prennent notre deuxième mais place. Mais peut-être que si. Ok, bah en vrai, je suis dans mes yeux. Allez, coup de crâne. Vas-y, c'est vrai que les rouges se rapprochent dangereusement de la première place. Ah, hein. Ah, Xari a le crâne. Enfin, de la deuxième en tout cas. Tu prends le crâne, Chou ? Récupération du crâne. Je prends pour l'instant. Allez, mais... dans la team jaune. La team jaune, ça peut le faire quand même. Un bon travail d'équipe. Vous êtes à 114, 115 bientôt. Oh, voilà. C'est difficile de se mettre à cover. Ah oui, il y a tellement de personnes. Récupération peut-être d'Hugo ? Hugo qui peut récupérer ? Putain, Hugo ! Putain, non ! Hugo qui kill ! Bien joué, Hugo, bien joué. Le crâne. Allez, voilà, Hugo qui va récupérer Hugo, le crâne. Hugo, t'es trop fort. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que je le récupère toujours ici et cet endroit pue la merde. Non, t'inquiète, je suis derrière. Mais non, il y a déjà PA ou mec. Il y a des blancs en embuscade là. Il y a des blancs en embuscade ici. Faites attention aux grenades, les bleus savent utiliser les grenades. Oh là là, oh là là, ça arrive dans les pattes. Je prends tout dans le petit. Tu regardes derrière, bien sûr. Vas-y. 128 et c'est la récupération bleue. Ah, toujours pas. Compliqué là, compliqué. Ah, j'ai pris, on a pris 2 secondes de possession. C'est déjà 2 secondes, c'est déjà ça. C'est pas ouf là. Ah, les écarts sont en train de. Je saute, je vole, je nage et je nous venge. Le signe. Bien joué, Jiraya. Ils sont passés maintenant, peut-être la barre des 115. Oh oui. On aime ça. On aime ce petit. C'est bon, c'est bon, je suis le crâne. Ah, c'est les erreurs bêtes. Ah, fais chier. J'ai lâché le crâne. Prends. J'ai lâché moi-même le crâne, gros. Non. C'est bien pour nous. Qui va récupérer? Ah, c'est les bleus. Oui, c'est vrai. C'est bien pour nous. Non, mais regardez, il strat au lieu de gagner. C'est une strat d'être deuxième, hein, gros. Ouais, jouer la deuxième place, c'est des stratégies que certains ne peuvent pas accepter, mais d'autres s'en accommodent très bien. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est bien. Il y a un cash prize de points. Cash prize de points. 188 maintenant, les 200 points qui vont être aperçus. Et là, ils se sont ratés, mais ils se sont croisés dans les airs. Magla, peut-être, pour donner la victoire à cette équipe. Il reste 3 secondes. Ah, est-ce qu'ils vont tenter? Est-ce qu'ils vont pas tenter? Oh, j'ai l'impression que personne ne veut tenter la récupération du crâne. J'ai tout donné. D'un consensus commun, on veut que la team des challengers l'emporte et c'est fait. Deuxième. Et on a été chaud, t'as fait 16 kills, j'en ai fait 26, putain. 26 kills! 26 kills! Allez! On applaudit. Mais il devait gagner. Allez, lourd. Team Pax dans le chat. Allez, à Jacta Est. Oh là là, la mais team Pam. Le roi du crâne. Gros 26, Domingo, 26 kills, il est injouable. 26 kills et 116 très au score. Total MVP de cette game. Hein. Ouais, Xari, t'as fait le moins de points. Bah oui, je suis nul. C'est Xari, t'as un peu dégoûté là. Moi, je suis horrible à Halo. 7-17. Moi, je suis bon au golf. Carte au choix, on remet la même. En vrai, au golf. C'est pas grave, après, non, on continue encore. On va passer en mode assassin explosif. C'est combien de maps? C'est la dernière, c'est la dernière. C'est un BO12? C'est sûr, là, assassin explosif? Non, assassin explosif. Oui, c'est dedans. C'est le truc qu'on a cancel la dernière fois. Et c'est quoi? Moi, je lis mon filet, c'est vrai que nous avions cancel. Non, c'est pas moi qui le cancel. On remet une map normale. Parce que c'était nul. C'est vrai. C'était cool, ouais. C'est vrai, assassin explosif, c'était nul. Assassin explosif, c'était vraiment mauvais. Assassin explosif, en fait, c'est tout le monde a un bazooka. Oui, c'est ça. Mais tu one shot pas, donc. Mais tu one shot pas. Ah, ouais, mais tu one shot pas. Ça se sent que ça pue un peu là. Et quand tu sautes, là. Genre tu voles. Licence tout don de kill. Allez, assassin normal. Ouais, assassin normal. Assassin normal, 20 points. Change juste la map. Et oui, changez la map. Pas la même. Petite map au choix. Et ensuite, vous allez pouvoir golfer avec vos amis. On les connaît pas trop encore. Non, mais Hugo, il les connaît bien. Ouais, t'as qu'à prendre Carrefour. Ok, c'est bon. Carrefour. Magnifique. On peut remarquer les scores avant le chargement de la map, peut-être. Mais non. Actuellement, 3 points pour les challengers et pour les rois du PAF, égalité 0 points pour le mobile. Aïe. La mobilité, quelque part. Putain, ça passe strat, les merdes. Mais attention, Jiraya, gros niveau à Golf with Your Friend, du coup, ça peut tout changer. C'est la même map que t'as prise? Mais non. Si, je t'assure. T'as vraiment pris la même map, Junpei? T'avais un job, hein. Mais non, mais c'est vraiment pas la même. T'assures que si? Non, moi, on voit un peu le jeu. Écoute, on parie.
Ça s'est retiré sur le cachet. Hein. Paris. Oh non, moins 100 balles. Le suspense est insoutenable. La map va-t-elle être la même ou non? On se dit pas de véhicule. Alors que, regardez. Non, 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 on est dérangé là. Il y a un moment, les véhicules, tu vois, c'est pas la même. Ça essaye de remixer. Le Samsung Galaxy Note 20 Plus Ultra de Xari n'était même pas déblisté. Moi non plus. C'est incroyable, tellement neuf. Et là, toute la puissance de l'écran OLED magnifique prend son sens. What? C'est une nouvelle expérience. Sans le plastique dessus. Oh, d'accord, je t'en Ce n'est pas la même map. Ah ouais, en effet. Oh, je peux prendre ça. Ça ressemble beaucoup à la map Lego d'ailleurs. Non, mais d'où tu prends le véhicule? Une map. Non, mais c'est un tir palette. Hein, c'est une map assez spéciale parce que justement les. Le port du Havre. Les cargos peuvent monter et descendre. Donc la map change. Ah, ok. Ah, oui, d'accord, en effet. Ah, c'est comme dans Mario. Exact. Oh là là, bah formidable. Excuse, hein. Impeccable, 20 points à marquer en tout cas sur cette map, toujours par équipe. Et arrête. Xari qui a en ligne de mire. Voilà, la map est énorme. Je vois personne. Nous on est au milieu. N'oubliez pas de récupérer les grenades sur votre chemin. Vous avez vu l'efficacité qu'on a. Magal a très vite compris. Très bon dash. Magal, mais c'est vrai qu'il y a des bons réflexes. Le dash ça peut sauver des vies. Ah mais PA, mais cette décale, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta gueule, le mec il joue au jeu, hein, quoi, c'est de la triche. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression d'entendre les gens dire c'est de la triche, il fait les combos dans les jeux de combat. Pas compris là. Ouais, mise au sol, hein. Domingo qui a encore abattu Hugo qui a peut-être pas compris, mais en tout cas ça commence à cumuler là pour les bleus. Le jeune 4 points déjà marqués. Et Hugo qui a pas le temps peut-être de marquer les kills. Jumpé sur Domingo et Jumpé tout seul. Ah putain, le cargo à la con. Je crois que mon casque est à l'envers encore. Ah oui, toi aussi t'as un truc que moi j'entends à l'envers. Ah, j'avoue, inverser les casques, c'est j'arrivais pas. J'arrivais plus à me spécialiser. Il n'y a pas vu derrière. Hugo qui a pris son temps avant de récupérer. Mais c'est Jumpei ici qui est un peu coincé. Une grenade, il était mort. Et à la place de ça, Jiraya, qui est ton collègue, ne lui tire pas dessus. Mais j'aime bien, je le vois pas. Qui tire sur qui là? Sur toi. Les gars, j'ai vu une seule personne sur moi au début. Je tirais sur toi pour rigoler. Ouais, j'avoue que cette map est difficile, évidemment, de trouver les adversaires. Oula, qu'est-ce que c'est que cette arme? Oh là 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 là, il y en a un qui joue avec le Stinger de Metal Gear Solid, c'est ton collègue. Ouf. Oh putain, t'es un sniper? Non. Ah oui, j'ai le... L'Axari, il a chopé le missile Stinger, c'est le lance-roquette qui te lock très là. Très bon de la part du Xav. Et Jiraya, il a une autre arme encore plus bizarroïde. Mec, je comprends rien, je ne vois personne. Hugo, la grenade n'a même pas fait mouche, elle a fait mouche quand même. Bien joué. Go. Ah, je suis désolé. T'es trop fort. 5 à 5 pour le moment entre les rois du PAF et... Les challengers. Ah putain, bien joué. J'oublie qu'il est là-haut. Et Domingo qui prend le kill avec son sniper. Hein. Putain, mais vous êtes où? Regardez-le. Regardez-le. Waouh. C'est une belle map. Ah, le sniper manette, ça doit être des sensations incroyables. Hein. Ouf. Trouver un mec en fait. Non, mais par contre, PA, il est où là? PA, il était en apesanteur, mais il vient de se faire un peu déloger par Jumpé qui a trouvé justement sa planque. Va-t-il pouvoir récupérer le sniper tant attendu? Personne, j'ai pas vu un man de la. Compte pas sur moi, c'est un. En fait, faut aller, j'y prends. Alors peut-être, Jiraya. Au milieu, un peu, là, le truc où ça bouge. Je suis à rando simulator là. Jiraya, perdu dans la map aussi grande que la maison de Max Hildan. Terrible. La maison de Max Hildan. Ouais, ça tire de très très loin, manque un peu de. Oh, le double kill! Du coup, les doubles zones sont morts. Là, bien. Elle devait avoir un fusil à pompe, je pense. Ouais, en fait, c'est à chier si on n'est pas. Si les mecs sont. La map est horrible. La map est tellement grande. Mais putain, on voit personne. Ouais. Moi, je l'adore. J'ai l'impression que ceux qui aiment bien jouer un peu planqué et attendre que les autres se montrent. En fait, c'est ça, vous vous cachez. Ouais, des campeurs, tu peux le dire, Ken. Ça marche bien. Moi, j'aime bien. Personne n'aime bien. Moi, j'aime bien. Si, ça va. Prends un pied, là, les mecs. Ah, le versus peut-être ici dommage. Avec le coup de coude qui est un peu stun, mais ça rate les balles juste après. Mais arrêtez de vous entretuer. Aïe. Terrible, Jiraya qui tombe sous le coup des balles d'Hugo. C'est pas moi qui le kill en plus. Oh non, j'ai trop le seum. Ah, un V1 ici, dos, la grenade dos, qui est bien passée. Ça tire aussi par derrière. C'est signé ça. Bien joué, Xav. Mais où est-il passé? Il l'a tué. On reste ensemble en vrai. J'ai une arme de malade. Ouais, restez regroupés, je pense. C'est mieux. Après, attention aux grenades, cela dit, quand vous êtes groupés. Parce que c'est dommage de prendre. C'est une game de malade, c'est hyper serré là. C'est une game de malade. Très serré. Malade. Et Jumpei qui a récupéré visiblement le en face quoi, vas-y je te suis. Oh là, bon, ce fusil. Oh, le fusil laser. Bref, sniper. Au top, là. Vas-y alors. Vraiment une map pensée pour aller tirer de loin. Oh, Jiraya qui a pris la tête. Mais non, mais Gigi. Oh là là, Gigi qui va encore dans la toute simplicité. Fallait rester en haut, Gigi, et les allumer en contrebas. Je peux pas, il y avait Xari à côté. D'accord, ok. Ah, je merde, c'est pour ça que j'ai arraché. J'avoue.
c'est compliqué. Xari hein, qui continue de se balader. Je ne vois personne. Ouais, c'est un peu ça, randonnée simulateur. Mais vous voyez personne, mais vous voyez, on est déjà quand même à 19, donc ça avance. Pour recharger, ouais, c'est cool. Ouais, en face, Magla. Hugo qui a pris le kill encore une fois hein, sur. Enfin, Domingo qui a pris le kill sur Hugo. Parfait. 10 à 10. J'ai l'impression que c'est surtout la team Le Mobile hein, qui aime bien cette map là. J'arrive pas à trouver quelqu'un. Magla qui a abattu Jiraya à l'autre bout de la map. Hein. GG. Au cross the bat. Vraiment. Attention, ça tire derrière. Vous avez vraiment quand vous avez les indicateurs de dégâts. Et qu'il faut peut-être vous retourner. Hugo sur Doming. T'as été excellent. Merde, putain, mec, c'était juste un plaisir en fait ce duel. J'ai pris mon pied en me battant. Et ça kill juste derrière Magla. Il s'est fait la team bleue là, Hugo. Pour revenir dans la course. C'est quoi ce bordel que j'entends ? Il y a une telle cacophonie. Oh. Attention. Ça fait une heure que j'ai vu personne. Attention. Quel est ce rouge qui est passé derrière ? Dans ce duel raté là entre probablement Junpei et. Derrière mon chou. Mais. Oh oui, il faut abattre ça aussi. Ah, c'est un V1 entre serré, Hugo et Domingo. Ah, non, Hugo qui se fait abattre. Domingo, Domingo, il est allé au pétard. Impeccable. Où ça essaye de s'accroupir puis ensuite de sauter. Mais Junpei est mort aussi. Ah, Domingo, il est en train de frag. En magla de derrière qui m'a baisé ma mère. Ah, c'est magla, ça, c'est magnifique. Et en ce moment, on lui fait plus. Magla qui a rejoint Domingo et qui maintenant va rester tranquillement. En face, en face. J'ai entendu ce qu'il a dit. Dans son ombre. Très bonne grenade lancée. Quoi dit... bah, oh oui, le décalage. Non, il a dit par contre. La plateforme d'armement est prête. Mais le décalage était dangereux. Hein. Aïe, Jiraya aïe. Vous a allumé. Ah ouais. Bien joué, la Gige. Putain, Gige. Ah, la Gige, il a une arme. Back, c'est toujours dangereux. Elle est au-delà du virtuel, son arme. Je veux rien dire du tout. C'est pas vrai. 15 points. On me met des bâtons dans les roues. Ouais, boum. Ça tue. Les deux sont morts. C'est quoi ton arme? Ah oui, d'accord. Sur le top. Oh non, 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 non. Les deux sont morts. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, là. Allez. Et de 16 points, de grâce au kill de Magla, ça s'approche des 20 points ici. La team des Challengers. Et ils sont suivis, hein, il me semble, par la team Lomobile qui pourrait marquer son premier point ici. Peut-être gagner, ça n'est pas terminé. Peut-être le kill ici. Entre merde. Bas, Domingo. En bas. C'est vrai, trop loin. Allez. Beaucoup trop loin, le lance-roquette est là, c'est... Oh oui, Xari, il est gratuit. Je suis horrible. Bah oui, t'es... Derrière toi. Oh là, là, il se fait plaisir. Alors, oh là là, il se fait tellement plaisir. Oh là, mais Domingo, oh, il a tout le monde en contrebas. Faut qu'on fasse un kill, Hugo, faut qu'on fasse un pour pas être dernier. J'ai l'impression que tout le monde est dans le goulag de Warzone, et là, il se régale. Quelqu'un peut me buter, en fait. Ouf. J'aurais bien voir des... Ah, c'est monté. Ouais. T'as pas réussi à prendre le dernier kill et là t'es un peu enfermé. J'ai fait de la merde, j'ai grid. T'es mort 18 points. Mais quoi? Oh, ce que j'ai mis. Mais non, pas la coup de crosse. Magla, attention. Elle est coincée entre deux cargos. Ah mince. Sortez. Donnez-moi la main. Sortez Magla de là. Le premier qui réussit à trouver Magla, c'est un kill gratuit. Vas-y, attends. Il y a juste à poser une grenade là. Attention, attention, c'est 20 points là, Domingo qui a marqué double kill. PA a gagné. C'est terminé. Ah, vous n'avez pas réglé avant. PA Magla. Les deuxièmes. PA Magla et nous Magla gagné. C'est fini. GG. C'est fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. D'accord, ok. Si, c'est fini. Par contre, le dernier kill, John Pesh, désolé pour toi, mais. Non, mais on l'a eu sur un duel avec Domi. Oui, mais sauf que c'était. Ouais, mais c'était terminé. Non. C'était terminé, Junpei. Bien joué. GG, les challengers prennent du coup ce point. Mais les challengers. Encore une fois. C'est la première fois, je crois, que les challengers sont bons. Ouais, là. Exact, c'est une première. On avait promis du niveau de jeu hein, de la part de Domingo. On s'est beaucoup entraîné avec Magla hein, durant cette semaine. Mais Magla, le fait de te coincer est la parfaite stratégie. Hein. En vrai, tu peux plus mourir. Bon, tu peux plus tuer personne. Mais Domingo régale. Ah, les petits malus. Et c'est bon. Petit malus, on va changer de jeu puisqu'on va golfer deuxième. Avec nos amis. Bon, là, on va pas golfer ça. Est-ce que tu as décidé des maps, Ken? Décider des maps? Alors oui, j'ai un pattern de map. Préparation du lobby de la partie sur la map Worms. Oh, Worms! Oh, elle est dure celle-là. Hein. Ouais. Ah, oui, oh, c'est dur! Tu aimes quand c'est dur, Hugo. Alors, merde, ah oui, c'est pas dur, Ken. Mais vraiment, celle-ci, elle est dure. Heureusement que je suis assis. Ah! Eh bien, écoute, tu vas pouvoir t'en remettre, à mon avis. Alors, golf with your friends sur Worms. Oh, ça sent bon, les potatoes. Les potatoes. Parfait. Ça va être rigolo, ça. Par contre, pourquoi la team mobile a un point, là? La team mobile n'a pas de points. Merci. Ouais, parce que vous avez marqué. En fait, ils ont marqué comme s'il y avait égalité. Alors que non. Bah non, il y avait pas égalité. Mais allez, par contre, pourquoi vous avez 4 points?
Parce qu'on a, on a fait premier une fois. Ouais, mais le dernier kill ne compte pas. Deuxième, deux fois deuxième. Vous avez fait premier la première game ? Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est Hugo qui était revenu en force. Hugo qui a gagné ça. N'empêche, ça laisse un écart relativement... Bah après, Osef, parce que là, si Timobi gagne golf, ils ont 8, donc... Oui. Ouais. Parce que ah ça multiplie golf, les points. Golf, c'est multiplié par 2, hein, les points. Ah bon normal, il n'y a qu'un jeu. T'inquiète, ça n'a pas... Ah, parce qu'il n'y a qu'une game, ok. Non, non, non. C'est juste parce que le troisième jeu va droit, vaudra le triple. C'est juste... Non, mais c'est parce que, en fait, c'est un jeu. Hein. Faut que tu saches que le classement ne sert à rien ici. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il dit « Oh, ben, Gigi, tu t'as su... » Non, c'est marqué dans les règles. Mais c'est vraiment ça, nous, on s'est fait baiser tout. C'est pour ça que les points, on en a rien. On est à l'heure. Vous êtes mauvaise langue. Non, on n'est pas vraiment. On était heureux, on s'est dit, on démarre bien et tout. C'est gagné, on s'en fout, c'est factuel. C'est la vie, tu fais ce que tu veux. Tu... Non, mais on sait que tu joues pour la gagne, mais là, il y a 6 points à mais prendre sur Golf Usure Frame. 4 en vrai. Non, 6. Non, 28. C'est 2, 1, 0. 6, 3, 0. 7, 86. Marqué là. 3, 2, 1, 7. 18, 6, 3, 0. 6, 3, 0. Ah, ça rigole. Ça va, mon PA. Ça va et toi? Ça va, mon pépé. Non, mais lui, il en peut mon plus. Mon pépé, il a dit. Mon pépé, il est trop. Je te jure, celui-ci. Toujours le beau pouvoir. Il sort d'où ton petit hoodie, PA? Il est très original. J'avoue. C'est visionnaire. Ah ouais? C'est Big Flo Oli, c'est Lyo. Oui, il est cool. Ah, ils font des fringues. Il est trop bien. Ouais, non, mais c'est Lyo en ce moment, gros. Là, ah c'est Lyo One Piece. Ils ont leur marque, ils avaient fait une collab. Et j'avoue que. Ouais, en vrai, c'est un pull noir, mais avec 2-3 trucs colorés, sympa. Ouais, c'est cool. Et ils ont aussi sorti les pompes. Ah ouais, d'accord. Le coq sportif, visionnaire. Non, mais ça doit être ravi. Ça fait un peu de couleur en ce triste monde. Voilà. En cette période difficile. Mec dépressif, quoi. Au bout de sa vie. Ça permet de tenir. Quotidien. Ça fait du bien d'avoir des gens comme toi sur cette terre. On peut setup la game. Non, bah, on attend. Je vous ai invité normalement. Junpei. On n'a rien reçu, Junpei. Il faut inviter t'as créé la game déjà. Oui, j'ai tout créé. Ah, si, c'est voilà, l'invitation est partie. Bon, c'est parce que j'avais pas appuyé sur envoyer. Voilà aussi. Je disais aussi que. Ah, la musique, elle m'avait pas manqué. Bon, Gige. De quoi ? On peut pas la perdre. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a la collision ? Non, il y a pas Domingo, impeccable. Par contre, n'oubliez pas, il y a le saut. T'as changé la map ? Attends, il n'y a pas les collisions. En vrai, il faut prendre grave son temps, tu vas voir. Le mode classique, il y a collision. Hugo est là. Non, laisse classique comme ça. Mode classique, Worms, impeccable. Je me rappelle plus des touches. C'est parti. Elles sont chaudes. On est bien. Il y a deux touches, c'est. Un joystick. Et c'est parti pour le golf entre amis. En vrai, la map Worms, je l'ai fait une fois, je crois. Elle est vraiment dure. Elle est très dure. Okay. Elle est vraiment dure. Donc, okay. On va se faire laver. Je vous rappelle, c'est Team 17 qui fait le jeu, évidemment. Donc, c'est normal qu'il y ait des Easter eggs. Pardon, c'est bien le Battle Royale Worms? Non, c'est à chier. Ok. Très bien. Je préfère être honnête pour pas que tu perdes du temps. Quoi, mais... Ah ouais, vraiment? C'est suboptimal. On va dire que ça ne mange pas de pain parce que c'est gratuit sur PlayStation. Ouais, c'est gratuit. Pas de bêtises. Ah, mais c'est le jeu où il y a Zerator là? Ouais. Le Zerator? Non, c'est pas la folie vraiment. Il y a un verre Zerator, je crois. Enfin, en gros, tu fais deux parties, je pense. Et t'es repu. Okay. Mais ça ressemble pas, en vrai, pour toi, Gérard, ça ressemble un peu au Somnote, justement, non? De quoi? Ouais, de loin. De quoi? Bah, c'est un Battle Royale Worms, mais en 2D. Mais je savais même pas qu'ils avaient fait un jeu. Donc. Voilà. Si, ils ont fait un espèce de Worms qui joue en temps réel. Il a dit une espèce. Oh bordel, j'y arriverai jamais. Ah bah, tu arriveras. Mais ils vont faire ça jusqu'à ce que tu y arrives. C'est cette map, elle est trop dure. C'est parti. Alors le joystick gauche, il vous sert de jauge. Tout droit, 100%. Donc vers le haut, vers le bas, tu vois, tu vas jauger. Ok. L'exploit la cible. C'est quoi déjà pour et après c'est A pour tirer. Tu laisses appuyer ou t'appuies juste tout simple? Non, tu restes à faire. C'est très fort, genre. Bah je sais pas du coup. Alors on rappelle que c'est vous qui gérez un peu votre puissance de frappe dans Golf Usure Frame. Je crois que c'est un ici en fait. Je crois que je suis incroyable. Et ensuite vous avez juste à lâcher pour tirer tout simplement. Simplicité. Ouais. Qui a all-in-one? Moi. Mais t'es incroyable. T'as mis à fond. Ah là c'est... Non j'ai mis moitié de barre genre. Moitié de barre, bon là on est peut-être un peu loin. Bah j'ai de choke. Ouais ça là. Après généralement le trou se situe... Quasiment tout le temps dans une partie concave, donc on est bien. Bon, je suis déjà dernier, c'est pas grave. Oh, je vais le faire en 3, c'est magnifique. Attends, il reste Jiraya pour le trou en 3, peut-être. Et Domingo m'a menti. Allez. Bah, normal. Ça a marché. Ah ouais, moi je fais direct dedans. C'est là, ouais, ici, vas-y. Junpei. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Oh non, il va sortir. Oh
Pas, pas ta première fois pourtant. Ouais, c'est la première fois sur circuit. T'es à chier. Allez, un petit. Oh, l'énorme merde des étiquettes. Mais totalement à chier. Mais laisse-nous jouer. Mon A, là, il est en train de vous massacrer. T'es censé être un challenger, pas un champion du monde. Ça, c'est terrible, il est fort. Attends, quel champion de Red Bull. Alors, vous avez un mode vision aussi où vous pouvez voir la map. Là, il y a une mine en plein milieu, quand vous la tapez, vous n'avez aucune idée de ce à quoi ressemble la map. Ah, la petite grenade, la mine de Worms, c'est tellement parfait. Là, c'est peut-être un peu fort, là. Pas jusque là, parfait, mais... Ah, mais que si t'es dans le truc. Hugo ! Oh, c'était tellement bien, mais juste un chouille trop fort. Est-ce que Domingo rentre ? Domingo rentre. Oh, bien joué. Birdie, hein. Ah, il est en train de. Allez, ah, mais là, mais Magla, mais cette soirée, elle est pour nous. Allez, putain. On va gagner. Oh, la si. Et ouais, à deux doigts, du trou. Sacripand. Xari, dernier à essayer de marquer. Alors, évidemment, les premières maps sont assez simples. On a notre gagnant. Ah non, Junpei. J'ai pas vu que ça faisait ça. Junpei qui me tire vers Junpei, le bas. Junpei, s'il vous plaît, monsieur. Attention, Junpei, je te rappelle que si tu finis dernier aujourd'hui, tu perds de l'argent. Encore. Hop là. Encore. Encore. Mec, il y a en négatif pour la fin du mois. On a évidemment tout parié. Ah, et la enfin, team 3, Paxti, 3, 2, gère les débats. 3 faut que tu me guides, là. C'est trop dur. Domingo. Ah oui, il y a des objets, là. Allez, les objets. Ah, tu peux récupérer des objets, genre. Ouais, je vous répète que vous pouvez voir, hein. Tout de même. Oh, mais c'est magnifique ça! Il allait pas encore faire trou en 1 là, Xari. J'ai failli faire trou en 1, mais j'ai raté. Ouais. Alors, vous pouvez récupérer un jetpack. Ouh là, c'est le jetpack qu'il y a. Merde. Justement. Après, et là, jetpacké. Pour l'utiliser, le jetpack. Bah, tu laisses appuyer le bouton. Hein. Et après, faut relâcher à un moment. Domingo. Oh, ah non, Domingo qui a relâché trop tôt. La merde. Trou en 3. J'ai fait trou en c'est de la merde. Hugo qui fait du jetpack sur place, tel le Mandalorien. Ah non, ça pue du cul ça. Ah, c'est con, j'ai encore du mal avec la puissance. Oh, PA, encore une fois! Oh! Non, là, ce sera trop court. Ah, largement trop court. Attention à tous les points d'avance, hein, Domingo. Oh, ouais, Appuie sur A, s'il te plaît. Oh, il va le faire. Elle était dedans. Ah, eh oui, mais tu es arrivé trop vite. Ah, Domingo est passé, aux yeux aussi. Mets-toi bien. Ça va se terminer. Mets-toi un. Voilà, c'est bon. Non, non, pas un. Vraiment, stop. Un petit coup de putt. Ouais, vraiment, stop. Merci Hugo pour les salutations. Oh le putt, non. Ouais, bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Allez. Très bien. L'encouragement. Vandaleux. Faut pas tomber. Au début c'était facile. Il vous reste 3 secondes. À Domingo qui a été le MVP des premiers tirs. Je craque. Magla, il te reste 5 secondes, sinon c'est 12. Bah je suis une merde. Non, t'as le temps. Il me stresse. Il reste 40. Il reste 40. Arrête de me parler. Te laisse pas faire. Sous la pression. Quel niveau incroyable. Pas trop fort, ouais, voilà. Allez, Magla, tranquille. Voilà, impeccable. Vous me stressez, là. Cette coup, c'est un de plus que Domingo, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. À Domingo qui, est évidemment, a décraillé, Xari qui repasse devant. Bon, vas-y, là, dis. Alors là, il faut éviter les mines antipersonnelles. Il faut juste taper au hasard, pas te mentir. Et ça tape au pif. Alors, vous pouvez voir la map, je vous répète, vous avez un mode vision de map. Oh, t'es bien placé, Xari, en vrai. T'es très bien placé. Ça petite va. Descente, peut-être un peu trop optimiste. Non, c'est bon. Oh, ouais. Okay. Moi, je tirais. Voilà, faut pas trop tirer. Ah ouais, t'étais trop bad, putain. T'étais vraiment moins fort encore. Oh non, my bad. Et ouais. Jiraya, il l'a fait en 1, putain. Le mais trop fort. Oh, en 2. Tu l'as fait en 1, Gigi. Non, Jiraya, j'ai pas en 2. Jiraya, Hugo. Domingo, ça tombe. Bien joué. Ça tombe. Bien ça. GG. Ça tombe pour tout le monde. Et Hugo aussi. Jiraya qui est premier. C'est dur. Sans aucun adversaire ici. Ah, Jiraya, ouais. Jiraya qui est repassé premier avec ce magnifique coup en 2. Je remonte, c'est terrible. GG1. Ouais, merci les gars. Magnifique. Ah, voilà, vous avez eu le mode observation. Là, Jiraya l'utilise pour connaître un peu la map. Donc, vous voyez, il y a des bandes à prendre. Ah, tu peux être en caméra libre. Oui, tu peux être en caméra libre, hein, c'est ce... Je vous le martèle dans le crâne, mais c'est vrai que c'est... Oh, attends, c'est très optimiste, ça, Xari. Ouais, mais j'ai pas... Oh là là, mais le génie. Pas fort, hein, fais chier. Bouge pas. Mais j'ai failli le faire, hein, gros. Encore. Ah ouais, ça, c'était ton premier coup. Ah ouais, c'était ton premier coup. Ah ouais, c'est là. Ah, c'est chaud, là. Ah, j'ai trollé, gros, j'étais... Ah non, espèce de troller. Xari qui est en train d'aider un tout petit peu Junpei à essayer de faire le score minimum. Je prends des vents contraires. Xari pour le trou. Non, tombe pas, je te déteste. C'est pas mal. Hugo, on joue mal. Il faut qu'on fasse un test, un testeur et un mec qui suit. Voilà. Ah, ça, c'est vrai. Non, t'as pas de bol.
Ah, fais-le le testeur parce que là j'ai du mal. Ah, là t'as fait n'importe quoi, moi je l'ai fait en. Aïe 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 aïe, Magla, envoie là. Attends. Un peu trop fort, Hugo, dommage. Non plus, mais. Et en fait là je vois pas où tu vas. Pas grave, tu vas pas. Il peut quantifier ma puissance. Dépêche-toi parce que t'as pas beaucoup de temps. Et comment tu comptes au coup Toto? Ouais, des deux additionnés? Ouais, malheureusement, ouais. Ok. Et là, je vais en mettre un là. Ouais, il faut, là, il tu vois, tu vas en barre et demi. Évidemment, c'est évidemment le score d'équipe qui va compter, les gars. Comme tu le sens. Ouais, non, là, je le sens. Non, mais c'est pas grave, tu feras pareil. Là, tu tapes là. Tu sens. Mais un gros jeu par équipe, Golf sur Fren. Ça reste ok, c'est très gentil. 8 coups, c'est pas si mal. 8 coups, c'est ok. Vous avez jumpé aussi. 8 coups, c'est nul, mais en tout cas, t'as un mate qui est avec toi et ça fait vraiment plaisir. Par contre, regarde ça, Jiraya. Par contre, Jiraya, il est invincible. Et Domingo, tu repasses 3. Hein, et pas dégueulasse le score de Domingo. Là aussi, c'est le jetpack. Voilà, petite observation de map, bien joué. Alors, faudrait-il aller à gauche, à droite, passer par le trou ici? Oh là, c'est ambitieux, ça, c'est un autre trou, il me semble. Ouais, on est d'accord. Ouais, là, Jiraya, tu es parti loin. Vraiment très très loin. Où le trou? Ah, c'est ça là? Non. Ce truc est giga loin là? Attends, mais. Quoi? Il est à péta au schnock le. Non, mais il est giga, giga loin. Non, mais il est pas si loin que ça, les gars. Ah ouais, j'ai l'impression quand même. Ok, June, je crois que c'est là. Attends, Jiraya qui a fait l'étude de marché, qui va essayer de récupérer le jetpack et passer dans le trou. Jiraya, c'est ambitieux ce que tu veux faire. Oula, magnifique, Zari. Ah putain, je l'avais, gros, je suis trop le seum, je suis trop nul, je suis attiré trop fort. Mais je crois qu'il y a un cut dans cette map. Bah, je l'ai fait. Hein. Ah ouais? Ah, tu l'as fait, Hugo, on t'a pas vu. Ouais, je suis devant. Ah oui, Hugo, devant Bogué. Ah oui, d'accord, si t'es arrivé, je me suis trompé en faisant un raccourci, mais t'as fait 6. Je sais pas, je comprends pas. Ah, Domingo qui a son premier tir seulement. Mais putain, c'est le bon temps. Mais Domingo, c'est. Ouais, c'est à droite, mais vas-y, gère. Ah, tu dois attendre le timing en plus parce qu'il y a des. Parfait, continue. Il y a des lancers de bombards. Je suis allé au mauvais trou. Ah, c'est dommage. Elle est dedans, donc c'est bon. Et du coup, là, tu as une autre issue? Non, j'ai été dans un autre trou là. Ouais, je pense, ouais. J'étais solo sur le trou. En vrai, enfin, appuie jusqu'au bout. Birdie, c'est très bon. Hein. En fait, mets un grand coup et t'appuies sur A. Quoi. Trop nul, frère. Je vais faire 40. Là, du coup. Non. Mais t'es dans un autre truc. Ah oui, je sais pas. Attends, où c'est ça. Moi, je suis pas parti par là. Courage. Ah bah, Jules, moi, je suis au même endroit que toi. Enfin, j'étais au même endroit que toi. Ok, attends. Ouais, en vrai, je pense, ouais, tu prends pas le bon trou là. Je le prends et je vole. C'est là où j'ai fait le trou, mais j'ai. Mais du coup, vous marchez sur une autre map ou sur la bonne map là? Ah, ça me gonfle. Encore, et oui, ça pousse. Pendant ce temps, je me frotte les mains. Bien joué, Jules. Désolé gros, moi je vais faire 14 là-dessus. Oh non. Oh non, Gigi, oh non, dis pas ça. Non, Gigi, s'il te plaît. Gigi, ça dégoûte. Gigi, on y croit encore. Ah voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Let's go. Ah, t'aurais pu voler là. Let's go, le Xav. Au fond. Ah ouais, Jiraya. J'ai peut-être trop tard. Temps écoulé. Ah, c'est con. Let's go. Pénalité de 2. J'ai pas compris, j'avoue, le trou, mais bon, c'est pas grave. Parce que toi, t'as été excellent. Oh, y'a Domingo qui a rabouillé la concurrence. Mais PA, il a vachement de l'avance, par contre. C'est parfait. Là, j'ai de la chance. Il suffit qu'on se rate un peu sur une map et c'est fini. Attention, énormément de zones de destruction massive avec des barils de pétrole, des mines antipersonnelles. Je vois des bombardiers plus loin. Quelle bande faut-il taper? C'est la deuxième, on est d'accord? Ah, ça vise la deuxième. Moi, je vais au fond. Jiraya, plein une balle dans la deuxième. Je tape dans le fond. C'est pas si mal. C'est bon? Oh non, non. Au milieu, à fond. C'est pas si mal du tout. C'est pas mal. Ah non, le seum. Xari à son troisième coup. Est-il encore loin du... Ok, il se place. Il est là, je le vois. Impeccable pour terminer. Hugo, très très bon par. Exari derrière qui va normalement confirmer ça. Bien joué, je vais le faire en 5, je pense, si je vise bien. Ah, j'ai été nul, mais bon. Magla, superbe aussi, hein, ça fait bogey. Non. Trop fort. Non. Allez, PA fait 5. Bah, double bogey. Ok, pour l'instant, on est ex-aequo avec Jiraya et Junpei. On est pile ex-aequo, Jiraya, Junpei. 5, tranquille. Mais ok, mais Domingo, Domingo peut-être toujours devant. Domingo qui n'a toujours pas marqué, mais qui va faire juste bogey. Si réussit, ça va. RP, là, tu ouais, je pense que ça va. Il va prendre un sur le par. Ça va. Ouais, je. Ouais, quand tu vas t'appuyer sur ça, là. Ouais. Go, t'as tourné sur du combien, là, toi? Tu sais que je sais même plus, je crois que j'ai fait un 4 ou 5. Je crois que j'ai fait un 4. Ah, hop, c'est propre. Oh là là. C'est 4. On est à 5. Il y a 5 points d'écart. Ouais, Magla, faut pas lâcher, hein, quand même. C'est dans la tête. Non, mais c'est dans la tête. 5 points. Ouais, faut pas lâcher, tu fais ta merde, cousine. Non, parce qu'en vrai, avec le score de Domingo, vous êtes premier pour l'instant. Ouais.
pour l'instant. Bon, après, attends, ça m'arrive souvent de faire des dingueries, t'inquiète. C'est qu'une histoire de temps que ça arrive. Voilà, la petite caméra libre là sur cette map là, elle montre à quel point le chemin est semé d'embûches hein, quand même. Hein. Je suis le crâne. Oh non, je suis sur le crâne. J'ai déchaté de vous. Mais moi aussi, je suis dans un cratère. J'ai peur. Faut tirer sur le bon timing pour éviter de prendre évidemment les bombardiers. Oh là, c'est à l'extérieur. Ouh. Ça, c'est Eevee Run. Non, je suis dans un putain de truc. Bon, vas-y, tire n'importe comment, nique ta mère. Oh là là. Ouais, c'est difficile. C'est tellement invisible. Oh, mais n'importe quoi. Mais gros, ça m'envoie dans des champs. Magla, au pif. Attends, je fais du timing là. Oh non. Ouais. Oh non. Là, par contre, très mal placé. Non, regarde. Ah, c'est bon. Allez, hop. Derrière l'explosion, impeccable. Ça t'envoie à Pétaouchnok Oh non, j'ai raté. Mais je suis plus ouais, même mort ça, oui volé. Oh, oh dommage. Oh, t'es bien là, t'es bien. Okay. Ban Zary bien. Termine. Là, là. On 8 Tain, aussi. Seren, il est magnifique là. En 8 par contre, en vrai, PA, t'es vraiment il est bien. Excellent quoi. Il est vraiment bien. En plus, Jiraya là est full band. Est-ce qu'il y a un jeu où t'es nul? Parce que là, vraiment. On va voir sur F1. Quel plaisir de live avec toi, putain, à chaque fois c'est. Ah, c'est. Enfin, gros. Il finit le live, il a les couilles humides. Vraiment, si. Je vais pas te mentir que là, si ta balle de golf, si ta balle de golf avait une bite, tu aurais déjà joué. Ah, c'est si joliment dit. La poésie avant tout, bien sûr. Oh, 8 coups, c'est un scandale. Ah, 8 coups, c'est pas très très bon. On avait bien commencé, hein. C'est dommage. Ce serait un par 3. Pas très très bon. Regardez un Domingo qui s'envole 6 points d'avance à présent. Je serais un par 3, je pense. Je pense, ouais. Comment rattraper les 6 points? C'est quoi ça? Ça, c'est une. Oh, après, les grenades. On est la bientôt à mi-parcours. Hein. La grenade sainte. Vous avez mis full puissance? Ouais, ça. Ah, ouais, mais là, réussir à se positionner. Faut s'arrêter, non? Sur une hauteur. Faut tempérer, ouais. Ok. Ah, très compliqué. Ça pue. Alors, regardez, ça redescend Magla qui redescend avec Zary. Ouais, je vous retrouve. Ça va, tranquille. Et full ball. Oh là là. Bien positionné Hugo, je pense. Ouais, ça va être bon, je pense. Tranquille. Zary aussi. Pour non, j'avais pas un coup, ça. Oh non, je suis trop cool. Je suis un peu déçu. Du coup, là, tu fais comment pour remonter là? Oh. On est Domingo. Birdie. Histoire. 3 coups. Ok. 3 coups bien joués, Domingo est toujours oh non. Oh non, ça dégoûte pas. Oh, c'est dommage. Ça m'emmerde tellement pour toi. Ah, j'imagine. Oh là là. Non, attention, parce que Xari doit marquer aussi. Jumpe, c'est à l'extérieur. Magla, ça redescend. Non, mais je suis une merde. Hein. C'est maintenant, Xari. Oh, éjecté par la grenade sainte. Toujours du bonheur. Je sens le bonheur. Xari qui va quand même marquer. Attention, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, trou. C'est incroyable. Trou buggy. Rien. Oh ben, il suffit d'atteindre la plateforme en haut à gauche pour ensuite aller en haut à droite. Somme, là. Oh, par contre, la Jiraya, Jiraya, c'est un peu plus près des étoiles. Oh, moi, j'ai abandonné. Non, mais hot ça. Non, Jiraya, pas toi. C'est genre le mec qui. Oh non, coup, Domingo. Ah, c'est con, putain. Ah, ça dégoûte. Ah, si, ça va, ça chatte. Je les vois tous tomber là. Tous mes collègues. Est-ce que Jiraya sur le fil. Il a pris un recoin lunaire. 7 et Domingo en. Mais vas-y, c'est une blague. À 1 centimètre. Allez, Magla, c'est pas 10 terminé. Secondes, hein, il me reste 10 secondes. Hein, c'est pas terminé, mais on va pas se mentir que c'est quand même mal, quoi. Mal engagé. Bon, bah, j'ai bien rappelé. C'est quand même mal, quoi. Mal engagé, là, ouais. J'aime autant vous dire que le temps est écoulé. Ça peut encore en faire. C'est l'impression. Non, dommage. Oh, ça dommage. Rien. Dommage. Ah, dommage. Pénalité de 2 coups. T'es chaud. Ah, il revient à 2 points, Hugo. Hugo qui revient très très fort. Tout peut arriver. C'est fou. C'est assez sympa, en fait, la map. C'est rigolo. Ouais. Moi, je vous regarde, je préfère vous voir. Il a joué au jeu, Jiraya, ou pas? Est-ce que le truc, il est posé ou il surélevait le... Quoi donc, PA? Le carton, là. Genre, tu t'es cogné dedans, là? Ouais, tu te cognes dedans, t'inquiète. Merci. Ouais, putain, il y a de la compète, mais c'est beau. Ah, c'est du beau jeu, bon. Mais franchement, dans ce métier. Ah merde, j'arrive. On a passé ses gamineries quand même. Sur cette visée, va tomber ici dans le pipe. Xari qui adore les pipes. Les gars, qui a Cyberpunk en exclu mondial ici? Peu d'influenceurs l'ont reçu. Hein. D'après les stats, bon. Fallait quand même être chanceux. Oh, stylé le move là. Ouais, je crois qu'il y a plus de gens qui ont Cyberpunk que de gens qui ont la PS5. Le birdie. Regarde. Jiraya qui veut marquer avec le vent. T'as fait un bon coup là, toi, non? Le mec, quand il allait. Faut juste dépasser Gigi. C'est n'importe quoi, monsieur. Ouais, vas-y. On s'en fout, à la fin, je vais sourire à la cam, je vais te pointer. Là, tu fais un bon truc là.
Putain, mais Jiraya, mais t'es vraiment un putain de train, gros. Hein. Ta gueule. Honnêtement, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Oh non. Oh, quel dommage. Fais chier, merde. Oh, fais chier, bordel. Oh, c'est vraiment super intéressant. Ta gueule, toi. Oh là là. Ah, tu vois, il y avait ouais, il y avait de l'idée. Même peut-être un peu moins de patates, non? Il reste plus que toi, Gigi. Ouais, bah. Ah, c'est pas mal comme ça. Oh. Oh, dommage. Attends, il y a la mine. C'est con, putain. Ah, franchement, il y avait un truc. Attends, mais c'est abusé, la mine. Encore. Essaye encore, c'est pas mal. Non, la deuxième tu peux y aller en normal. On était à ça de l'exploit. Hein. Tu peux prendre la safe quest. On a toute sa vie. Ouais, en 12 secondes, il peut pas, donc de toute façon. Attends. Vas-y, plus fort. Oh. Alors. Oh. Attends, t'as 12 secondes, gros. Le joueur français. Putain. Oui. Décisif, le 12 coups de mini. Attends, le chat, c'est une rediff. Pog, GG. C'est con. Magnifique. Faire quoi là? Ah. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on fait là. Je t'aime. Vraiment magnifique. Je suis persuadé de mon coup là. Je suis Bah, Xari du coup qui. Ah, t'as fait ça? Ok. Bah ouais. Bah, j'avais pas vu. J'étais en train de regarder la map. Ouais, Xari qui a fait un petit coup pour rien. Où, là? Map à regarder. Va-t-il tomber là? Oui. C'est quoi les trucs verts là? Ça explose. Je pense qu'il faut pas toucher. Hein, ouais, sur la on peut toucher ou pas? Attends, je vais aller toucher. Non, je vais vous dire. Oh! Je viens de toucher. Oh, what? Oh, ce qui s'est passé, gros, j'ai touché le truc vert, je suis au trou. Elle a touché. Sérieux? Ah, bah, je vais toucher direct alors. T'es au trou là, tu vas me dire. Ouais, bah, je suis au trou. Ouais. Il est au trou, mais attends, putain. Mais c'est parce que l'explosion. Mais putain. Et voilà, mais... c'est gagné. Mais sérieux? Quoi? Sérieux? Bon, j'ai le temps d'aller aux toilettes. Mais quel vol? Ouais. Quel boss? Un pur vol. Et Jiraya aussi. Allez, derrière, un bogey. Je vais toucher aussi. Ah, ouais. Il faut pas que tu. Pas mal. Hugo, peut-être, pour faire bogey aussi. Bogey. Ah, c'était vraiment. Pas ouf du tout même. Tranquille. Une formalité. Ah, attention, il y avait peut-être tentative de Domingo. C'est où là la sortie? Et merde. Alors, t'as vraiment eu le Domingo pour faire bogey, ça va être compliqué. Je sais pas, t'étais dans quel angle? Tu as pris à droite? Oh là là, oui. J'ai tapé. Ah, il a tapé, il a tout donné. J'aime bien, je mets des patates comme au billard et après je fais genre c'était fait exprès. Oh non, oh, dommage. Ah, voilà, c'est... dommage, bro. La faute à pas de chance. Oh, bro, là vraiment ça m'embête pour toi. Oh non, bro, mais bro. Ah, whatever. Oh, arrêtez de dire bro, putain. Let's go, bro. Whatever. Dire comme ça. Let's go, les gars. Vas-y. Dire un tout petit peu. Ouh. Ouh. Et bête. Celle-là, elle était pas donnée, hein. 7 coups. On en a de l'émotion ici. Hein. Là, juste derrière, 8 coups. J'en connais plus d'un qui aurait raté. Et c'est bon, et c'est égalité, Domingo, face à Hugo. C'est serré. Hein. En tout cas, les rois du Magla, paf, loin derrière, cela dit. Un royaume, hein, un autre image, les mecs. Alors attends, c'est où, on peut tenter une dinguerie là, je crois. Cumule des points. Alors, voyons voir sur la map libre, lorsqu'on voit Domingo ici parcourir le terrain, il y a un mouton, évidemment. Tu peux faire on ça. On est dans là, Worms. Oh, ça tente de côté. Oh, le mouton. Oh ah, j'ai... ah, par contre, le mouton. Oh, mouton le mouton oh, chip-chip qui l'envoie sur une autre map. Et voilà, c'est le cut de l'année ici directement. Ah, mais t'as fait le cut. Oh, mais Tricheur, il connaît toutes les maps. Mais il connaît le cut. Oh, ça, s'il te plaît. Non, je joue pas c'est mal. C'est scandaleux. Tu penses que je réessaye là le mouton ou il donne envie quand même hein. Ah, un peu trop tiré là, Xari. Non, trop pas assez. Regardez ce move un peu. Voilà. Attention, Domingo qui retente. Mais tu sens que j'y suis là. Ouais. Il y a quelque hop, chose. Le mouton qui me moutonne. Oh putain, c'est une femme là. Ah oui, bah ça va, peut-être je dois aller me faire foutre, c'est ça voilà. Bah, j'ai plus le droit de jouer moi au jeu. Allez te faire. Ah bien joué, mec. Et le mouton. Alors, dommage, parce que j'ai l'impression que Xari, t'as pas le bon angle pour marquer directement. Alors là, ça va être une dinguerie, hein, le score. Oui, non. Ah, oh là, il y a le mouton. Oh là là, bon, je vais la prendre à l'arrivée. Mais faut tirer vite là. Je suis sur le parc. Faut tirer vite. Oh là, tu évites le mouton là, Magla. Ouais, je suis pile, hein. Oh là là, ouf. Birdie, c'est. Ok. Double bogey, c'est pas trop mal. Bien joué, mec. Ça s'améliore. Moi, je vais être en full retard là. On est bon. Ah ouais, Hugo qui est loin. La messe est dite. Ouais, j'ai tenté le cut ouais, et... C'est maintenant. Ah, c'est du double. Ah, bien c'est joué, double, c'est du double. Faire fort. Let's go, Hugo. Alors, Hugo, ouais, faut faire fort. Ah, Hugo, faut tirer, là. Ah, Hugo, faut pas hésiter, là. Tu sens pas si fort. Ta gueule. Ça, c'est pas mal, Hugo. 20 secondes. C'est bien, hein. Hugo, bien. Ah, ça freine pas. T'as que 17 secondes, là. Ouais, vas-y, là, Hugo, c'est bon, ça, ce que tu me fais, là. C'est pas mal. Ah, c'est le mouton. Oh l'escroquerie. L'insulte. En fait il marquait. Oh il tire au pif. Oh la vanne ultime là. Non mais il a trop de chat. 5 secondes.
Faut écœuré, tirer pour pas prendre le plus de. Allez. Mais oui. Ça te dégoûte. C'est tout chiant. On baisera pas aujourd'hui. Ça repasse derrière. Eh ouais. Ah, GG quand même. Hein. Merci. Attention, oh, le cumul des points. Je vous rappelle, hein, Jumpe et Jiraya qui sont avant-dernier et antépénultième. Ah, mais ça, c'est un. Oh, ça va être une infamie. Il est où le trou là? Devant. Ah oui, je me souviens de ça. Devant sur le côté? Ah non, ah sur oui, le côté. Oh la vache. Ouais, ça y est, je me souviens. Oh là là, mais attends, mais c'est possible de le faire en un? Oui, 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 mais c'est trop dur, surtout sur... Mais tu peux guider quand t'es en jetpack? Non. Ah non, non, non. Okay, tu peux que... Oh là là. Ah, les chip-chip qui s'envolent en non, plus. Mais les moutons qui volent, c'est non, en fait. Ouais. Oh, c'est tellement mon arme préférée. T'as réussi? J'ai réussi. Je suis un abruti, moi. Qui vient de réussir, là? C'est moi, mais... Let's go. Dommage, dommage. Impeccable. Tu es peut-être dans l'eau. Tranquillement, Magla, tu fais bien de jouer. Ah, mais Jiraya, t'as gagné là. Non, non, j'ai pas passé. Ah ouais. Je croyais que t'avais réussi. T'es un par 5, hein, quand même, donc t'as le temps. Oh, ça chie. Oh, pas assez décalé là. Non, ouais, c'est trop décalé. Je vais essayer trop décalé. De le refaire, je vais essayer de le refaire en 1. Y'a un mec qui m'a pris mon bail. Non, je suis allé trop loin. Non. J'avais réussi. Xari. Voilà. Non. Qu'est-ce que c'est le scandale là? Oh. Oh, 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 j'ai eu une telle chatte. Oh non. Il m'a cuté avant. Oh, Jumpe. Eh merde. Non. Mais je peux pas, je suis trop loin. Le... Pourquoi j'ai pris... Mais gros, mais ça rebondit. Oui, tu c'est rebondis quoi, sur le rocher merde, et t'es mort. Mais putain, la qui a failli le faire, hein, ce fameux tour en un. Moi, j'irai au bout. Hein. Moi, je vais moi aussi. Moi, toutes mes tentatives, je te meurs. Pas nous rien. Mais putain, c'est une blague. Oh, ça a pris la tête. Je les vois pas, là. Moi aussi, pareil. Tout comme lui. Trou en un ou rien. Zari, s'il te plaît, faut atterrir là un moment. La conne de ses morts. Elle dégoûte. Ça fait deux fois que je vais là. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Je comprends le mal. on est sur le. Oh, la dinguerie. On est sur le deuxième. C'était ouf, j'avais récupéré le jetbox. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais... Oh, les moutons. Non, j'y étais. Attends, Domingo, t'es encore sur la map. Oh, j'avais fait une blague. Oh là là, oui. Oh mon dieu. C'est bon. Oh, enfin. Il y a des putains de moutons de merde. Enfin. Comment on reset? Comment on reset? Héros, ça fait trois fois. On peut pas. Non, mais c'est super galère. Oh merde, il reste zéro, j'ai ah plus bah, le temps. Ah, bah dommage, j'ai tenté. Oh, galère, le mec, il est fou. Alors pour moi aussi. Non, je voulais pas. Quelqu'un a réussi? Non, j'aurais dû faire la safe way là-dessus. Non, mais non. Mais je suis un chien. Ça va parfait. Oh là là. Non, je t'ai passé, j'ai eu le jetpack et je remonte. Dégoûté. Je suis allé trop. Ah, ouais, d'accord. Bah, trois fois, moi, ça m'est arrivé ça. Bon, là, personne n'a réussi du coup. Ah, regarde où je suis, Bon, coup, regardez, 14 partout. Hein. Ça remonte les scores. Hein. Map, map nul. Voilà. 0 points marqué. Littéralement. Il aurait pu y avoir un grand écart sur si fait. Je méritais. Attention parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Hein. Je vous spoil. Ouais, elle est horrible cette map. Plus ça va, moins ça va. Oh, bien joué ça, Hugo. Merci, mec. Ça m'a remis au début, nique ta mère. Deuxième. Le premier tir était comment le. Comment il va celui-là? Putain. Il faut viser la bande. Et c'est Domingo qui est plutôt mieux parti sur la bande. Ouais. La bande à Basile. C'est contre le mur à droite, si ça peut... Ok, ouais. Merci mec de partir aussitôt. Allez, go, Domingo dans la dernière partie de la map. Une partie assez difficile. Oh mais évidemment. Non mais pas. Qu'elle oblige à faire un monté un peu tricky façon Tony Hawk au skateboarder. Eh ouais, toujours là mon pote. Ouais, là par contre ça va rebondir dans le mauvais sens. Merde, ouais, Mais t'es plutôt dégâts, bien aligné maintenant Domingo. Où, là ? Ah, après, il y a encore un nouveau truc. Eh oui, c'est... Non, c'est ça ne s'arrête fini, pas, c'est un par 5. C'est un par 5. Ouah ! C'est par sec. Ah là là là. Impeccable. Je peux rentrer là ? La physique. Oh non ! La physique bleue, là, n'a aucun sens quoi. Ah oui, mais d'accord, balles, mais ça donne. C'est hein, vous jouez avec des balles de golf ou de pétanque ? De quoi ? Genre, le truc qui s'envole. C'est bon là, Hugo ? Ouais, c'est bon. Okay. Oh ! Oh, ça me. J'ai eu de la chance sur le placement du dernier. Ça me broie les couilles. Double bogey derrière, Xari, ça suit, tranquille. Hop là, Picou, ouais, c'est un peu pourri. On voit Domingo ici. Clairement, chier, on peut te le dire. Double mais pour l'instant, double on gagne, je crois, parce que Magla est à 97. Ah non, mais ouais, Magla, malheureusement, c'est vrai que le métascore n'est pas en ta faveur. Hey, Magla, je peux pas te laisser dire ça. C'est la première fois que tu joues. C'est une des pires maps en vrai. C'est la pire. Ouais. J'ai 104. Ah non, non, c'est clairement pas la pire, gros. Ça fait, ça fait 176 au cumulé, hein, en fait, c'est jouable. Attends, hein. C'est quoi ça? Oh, elle la concentration de Jiraya là, elle est incroyable. C'est ouf là ce que je viens de faire, hein. je suis vraiment fou malade. Là, bande 1, bande 2. Oh, on est dans le noir absolu là. Ouais, on voit. Attends, où est-ce que je vais? Très dark. À augmenter la luminosité de votre écran. Strat des vrais. Ah, je pense en plus, je crois que si on rate, on recommence au début, non? Y'a pas un truc comme ça? Oh putain, ça a l'air d'être là. Ouais, c'est probable. C'est possible, mais c'est. Oh Jiraya, putain, j'ai cru que t'allais. Bah, j'ai raté. La map de la peur. Hein.
j'en sais rien, gros. T'as tracé là ? Ouais, t'es des lapins qui tentent de vous écraser, c'est quoi ? Retombe pas, retombe pas, retombe pas. Ah, mais ça te retombe vraiment. Oh, ça donne envie de crever. Oh la dinguerie du siècle, mesdames et messieurs. Mais là, qu'est-ce que t'as fait ? Je me parle pas. Qu'est-ce que t'as fait ? Waouh ! Eagle ! Ouais, j'ai tiré, ça a explosé, ça m'a fait aller dans le trou. Mais quoi ? Bordel, bien joué. Merde, ah oui, la mais bordel, mais non, je l'avais calculé. Je suis un bouffon. Il doit se passer quelque chose hein, à la maison. Fier de moi, hein. Je suis trop fier de moi en fait. C'était juste malade. Oh non ! Ah, ça va retomber, ça domine. J'ai fait la même que toi, je crois. Oh, putain. Sauf que je suis pas dans le trou. C'est pas grave, tu me rigoles. J'ai fait aller où à gauche là ? Je suis pas dans le trou. C'est terminé pour moi. Je suis retombé tout au départ. Nice. Non. Let's go. Trop deg. C'est 14 pour moi. Ah, deg pour toi, grand. Ah, Jumpé. Trop deg. Jumpé Birdie, hein. Et ils ont fait un gros coup, là, la team Le Mobile. Ouais, hein. Ah, ouais, on peut le dire, ouais, le casse du siècle, ouais. Bogey, ouais. Ici pour Hugo. Attention, hein, si Xari ne marque pas de points, il prend 14. Non, mais je suis retombé au début. Ah non, dommage, Xari. Domingo est à 9. Péa, tu veux que je te donne attention, le coup, hein, le double 14, ça peut faire mal. Ouais. Ah, dommage. Ah, non, bro. C'est con, ça joue à rien, là. Cette map qui peut tout changer. Ça fait chier pour toi, mec. Non. Il y a tellement non, de sincérité dans cette émission. Ça transpire. 12 coups. J'ai gagné 2 coups, quoi. Ouais, ça sauve les meubles. C'est mieux que rien. Domingo pour le 12 coups. Pas mal. Ça sort malheureusement dans... Ah, dommage, tu peux pas là. Ça sent mauvais. Et ça sent le 14. Plus de coups. Train sur la fin, je craque, quoi. Let's go. Aïe, le 14 de Domingo qui le fait redescendre. Magla, qui a réussi à marquer 9. Ce qui sauve quand même un peu les dégâts sur cette map là. Ouais, c'est attends, bien ça. C'est quoi ici là ? Sur la somme, on est mieux, mais j'ai l'impression. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Va falloir maîtriser le jetpack là. Oh non ! Oh si ! T'es obligé de passer à travers les trois ? Oui. Oh ouais, pour te redonner assez de jetpack pour y aller. Mais il faut relativement d'élan, mais pas trop. D'accord, attends, je baisse. Ah, tu vas pas trop là, par non, exemple. En vrai, en vrai, t'es pas obligé de passer par les trois, gros. Non, moi j'en ai ah ouais, j'avoue. J'en ai pris qu'un. Ah, dommage, Ken. Domingo là. T'as voulu prendre le dernier alors que c'était pas nécessaire. Notez que ouais, vous avez une plateforme en altitude. C'était pas nécessaire maintenant que je t'ai dit qu'il fallait plus. Non, mais non, ça dégoûte là, qu'est-ce qui s'est passé ? Hop, ça tire à fond. Je pense que si tu tires à fond, t'as. Ouais, en vrai, t'es tranquille, je crois. T'as mis combien, Xari ? J'ai trollé, j'ai mis 1,5. Une blague. Oui, tu récupères. Easy. À fond, tu peux passer en haut. Ah, en fou. Tu préfères aller en bas ? J'ai un part. Allez en haut. Ah, moi je devais avoir un part mais j'ai raté. Je sais pas où est le trou. Toc. Le trou les gars, allez, maintenant, vous il est juste en dessous de la plateforme où on commence. Je rigole. Juste en gros tu fais un aller, un retour et c'est bon. Ouais c'est ça. Oh magnifique. Là là. Mets une patate. Bah vous pouvez mettre à fond. Mets à fond. Mais faut. Et vas-y. Là tu gères, tu prends le petit anneau. La motivation. T'es trop en dessous. En dessous du départ, Magla. En dessous de la plaque de départ. Ouais, c'est ça. Ah, Domingo qui a raté aussi la plaque. Mais tu dois aller là où il y a le vert. Bouge pas. Ouais, mais en fait, ça donne envie de prendre le colis. Ouais, j'ai vu, mais non. Jumpé, il est très important que tu marques le point là. Voilà, comme ça. C'est bon, Magla. Il est à fond. Allez, Père, on te regarde. Faut pas tirer trop fort, Magla. J'ai plus gros du coup, moi, de boost. Mais tu dois en reprendre. Tu peux en reprendre. Ouais, mais si je vais à gauche. Bah, tu vas tout de là où on était au début. Ah, okay, on voit pas où t'es là. Voilà. Centre-toi. Bon, on est pas prêt pour le gris. Il a pas là. Mais non, parce que j'étais sur le côté du truc. Ouais, mais normalement, quand tu fais. Jumpé, pourquoi tu t'es décalé ? Il a pas fait exprès. J'ai pas compris, j'ai pas vu du coup ce qui s'est passé. Ah, mais là, du coup, il est baisé, PA. C'est pas grave, c'est 14, hein. Oh là là. C'est pas que. Est-ce que je vais faire premier tout dernier ? Aïe. Ça va. Madre mia. Faut être aigu. Ah, je m'en veux. Oh, c'est pas encore terminé. Hein. Il reste 2 coups. Ouais, la 14. Ouais. Ah, je tape 100, c'est Gigi. C'est pas fini. Hein. Domingo qui repasse en 3ème position. Et là, bah, c'est sûr, hein, les rois du PAF sont en tête. Bien vu. Hein. Puisque ces derniers sont les deux premiers. Donc la somme, voilà, éventuellement. La somme. La somme. La somme des cautions des. Évidemment. Tout ce qui s'ensuit. Oh, ouais, pas mal celle-ci. Merde. Comme tu dis, ouais. Si, il y a eu un truc là. Explosion peut-être ? Non, hors de question. Regarde, hop là. C'est complètement foiré. Oh putain. Sur ce tir. Bah attends, mais où est le trou ? Moi je le trouve. Moi je le vois pas. En fait, il est en dessous. Oh, je sais pas si cette bande est judicieuse. Je sais pas s'il faut prendre le truc dessus ou pas, moi. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe ? Faut juste sauter de l'autre côté, Magla. Ok. Tranquille. Hugo, tranquille. Non ? Elle essaye d'aller le plus loin possible. C'est une vanne, c'est vraiment. Mais là, dans l'obscurité. Ah, mais on est en dessous ! Ok. Mais pourquoi il faut pas aller en dessous ?
Petite prise de caméra. C'est en dessous, c'est en dessous. Hein. On va aller localiser. Mais c'est en par 6, ah ouais, elle est loin la map. Elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Mais attends, mais j'étais bien là-haut, moi. Elle est bien en dessous. Hein. Ouais, est-ce elle que en tu dessous, peux passer en... là-haut? Oui. Impeccable. Petit shortcut pris ici par Hugo. Ça passe. Juste devant, il y a Dumpé, attention à la mine. Le move que j'ai fait là, il était full insane. La mine m'a sauvé au final. J'ai la pas mine m'a sauvé, pipe, parfait. Mais là, par contre... La mine a GG. Quand même. Ah, t'en fais encore sauter là. Pleine balle. Oh là là là, Jiria s'est arrêté juste j'aurais avant dû mettre, la mort. J'aurais dû mettre plus fort en vrai. J'ai pas et là, c'est le trou hein, pour Gigi. Hein. Et il pourrait faire birdie. Oh oui, t'es bien toi, Magla là. Ouais, j'attends, je vais ouais. essayer. Elle va bogey. C'est un par 6. Ah d'accord. Bogey, tranquille. Peut-être un peu moins. Voilà, bien joué. On est bien. Bogey de Magla, juste derrière Gigi, Yaxari, impeccable, il y a Hugo qui s'est raté. Ah non, j'ai cru. Ouais, je pensais aussi. 14 secondes, hein, troll pas, troll pas. Oui, bon, appelle-moi con. Junpei qui est peut-être face à ses responsabilités ici. Aïe, on voit la goutte. À ça de la nationalité. C'est pas assez, gauche, il est trop à gauche. Ah, j'avais dit qu'il était trop à gauche. Ça dégoûte. Le coup pas dans l'œil. Écoutez. En vrai, Magla PA, vous pouvez être deuxième. Qu'est-ce qu'on t'a mis avec ça, gros? Avec ça, il a dit bâtard. Ouais, Domingo, okay. Il s'est bien dégringolé, mais Junpei qui fait des résultats hein, quand même plus que médiocres. Allez, je mets une patate. J'en ai plus rien à foutre. Ouais, la même, allez. J'ai mis une patate, ça fait absolument rien. On ne vit qu'une fois. YOLO. Non, ouais. Le chat. Est-ce que vous pouvez tirer dans non, ces mines rien, juste. Ah là, il y a le chip et il y a le super chip. Ça va être difficile de passer sans qu'il se passe des chocs à pic là. Il a l'air des dingueries là. Ah, c'est horrible. Moi je suis full passé. Hein. T'es quand même sur la map là, Xari ou pas là? Non, j'espère pas. Si. Spoiler alert, si. Mais comment je fais? Nique ta mère! C'est un peu comme Magla dans Halo 4 ouais, en fait. Tu caches, tu sautes, tu fais un truc. Oh non, non, non! Terrible. Ah, Domingo qui veut faire une petite bande, mais qui retournera de là où il vient. J'ai dégoûté, j'allais le faire en 4. En 4? Attention, ouais, parce que Jiria est chaud. Hein. Ouais, mais t'inquiète, il peut pas nous rattraper, j'ai déjà compté. Il a déjà compté. Ah oh mais salope va. La compta putain. Dans l'œil. Ah et j'avoue t'aurais pu le faire en 4 et maintenant tu vas le faire en 18. Vieux gars là de jeu là. Ah il faut taper assez fort pour monter la butte mais pas trop fort pour ne pas passer de l'autre côté la butte Chaumont. Impeccable. Oh le bon. Faire 6. J'apprécie la culture. Scandaleux, ça fait 3 quarts d'heure que je suis là. Ok, j'ai fait 8. C'est pas grave, regardez, Hugo. Je crois qu'on a gagné, Hugo. Je crois que c'est les 6 points, Hugo. Oh Hugo. Attends parce que. Non mais même si tu fais 14, on a gagné. Ah bah c'est ah ouais. Oui. Ah on est trop devant, Trop devant, a-t-il dit. Après, il y a une grosse deuxième place à jouer hein, tout de même. Descends. Peut-être un peu trop d'explosion là, Magla, non. Et encore, descends un peu. Alors, double bogey, vas-y, Magla. Un peu à gauche. Ouais, 1,5, c'est bien. Non, ah, il le fait. Je crois que c'est fini pour nous là-dessus. C'est fini, dommage. PA qui en ramené de bout en bout. Je m'en veux. Non, tu te c'est la dégringolade. La dégringolada. Non mais c'est une blague. Ah non c'est bon. Non c'est bon. C'est bon. Même en jouant full flex on est devant. 11 coups c'est moins que 14. Ah, c'est déjà ça gagné. Alors on va regarder un c'est pas le pseudo que je veux. Eh oui, magnifique. Hugo et Xari au cumulé avec 212 points remporte ce challenge golf with your friends suivi de la team le mobile. Ils vont décrocher 3 points. GG les gars. Formidable. Magnifique. Et dernier, les challengers malheureusement qui ne marqueront aucun point sur une demi-heure de jeu. Je sens la tristesse. Vers le bas. Je sens la tristesse en vous. Hein. T'as eu des coups de génie, moi j'ai apprécié. Voilà. Bah, c'est enfin, rien de plus beau que ça. C'est des phrases de Football Manager. On les reconnaît. Allez, nouveau match. Combien de points pour le dernier Combien de points pour le dernier? Comment ça? Le dernier jeu, combien de points? Alors, je vais tout vous dire. C'est le x8. Mais 2000. Attendez, parce que c'est extraordinaire. Grâce à la poussée 140. Populaire du récap, ouais. Luffy est maintenant très largement en tête dans les votes. Ah, tout le monde s'en rend compte. Il y a des messages d'amour de partout qui pleuvent. Oh, le récap cool. est aimé, n'a jamais été aussi populaire. Ils sont populaire. À combien? Ils sont à 12 000, Luffy, à 12 000 votes. 12 000 votes, c'est vachement cool. Et le deuxième? On n'a même pas tweeté. Et le deuxième est à 10 000, juste derrière. Oh, c'est cool en vrai. Alors, on est devant Tokido, c'est fort. Imagine que j'ai rien même pas ouvert sa bouche. Un petit coup de promo dans le prochain popcorn et on est bien. Bon. Alors, là, ça sera fini. Hop. Non, ça finit vendredi prochain. Ah, c'est vendredi prochain. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va passer à F1 2019. Un point gagné pour chaque course jamais joué remportée. À ce jeu, ok, let's go. Premier arrivé en fin de course gagne un point à son équipe. Donc évidemment, c'est celui qui roule le mieux. On va faire plein de courses, les gars. Let's go.
C'est pas... Ah bah là, bon, bah c'est la team des rois du paf. Hein, parce que... Non, John Pay est plus J'ai jamais joué au jeu. Non, John Pay est fort. Hein. Je peux surprendre, alors, mais bon. Ding, 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 les amis, on serait... Non, mais vraiment, session... Non, mais t'as... je suis là. Les gars, quoi, alors Nombre toi, de tours, 3. Hein. Toi, t'es bon 3 tours par oui, course. Ah, ouais, la dernière fois, je t'ai carré. Bon, la dernière fois. Parce que moi, je suis nul à chier. Mais John Pay, John Pay est le meilleur ici, mais... Ah, ouais, mais on peut peut-être... Mais moins fort que Hugo, je pense. Vraiment. On fait... Non, non. On configure en 3 tours et la map, je vous laisse évidemment à votre libre choix. Hugo, il est meilleur, en vrai. Moi je pense que t'es meilleur que Non, bon, moi j'ai jamais joué au jeu, je joue Après, jamais je sais à pas là-bas. Donc Vous allez là, voir y a un que passif. De base, il y a pas y a mal un passif code de la route ou ça pas là-bas. Vite, un peu la... C'est léger, hein. C'est léger. Alors, qui crée du C'est vrai que le jeu est hyper dur en plus. Ouais, bah oui, c'est pas permissif. Non mais là on va voir toutes les aides. Hein. Ah. Ouais, il y a toutes les aides. On n'a pas passé de vitesse. Alors. Non non. OK. Ah, bah c'est Ah bah c'est OK. C'est gagné. Il y a des items. Oui. Ah d'accord. Oui, il y a des items. Hein? T'aurais pu, hein? Pas mode fun? Non, y a pas. Y a pas de fun. C'est toi, John Peck, qui fait la game là? Ouais, je suis en train de la faire là. Ben ouais, mec. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse faire du 3 tours, gros. Ah, quoique. Si, dommage. Si, on peut. C'est toi, 3, c'est du 1. Non, on peut. Après, on fait c'est 5, c'est pas grave. Est-ce qu'on met. Est-ce qu'on oh non, met, Monaco, est-ce c'est trop dur. Non, passe rouge. Non, pas Monaco. Non, mais mettez des terrains, enfin des circuits, on peut aller vite et se doubler. Bah, Monza. Monza. Monaco, c'est tout serré, on l'avait fait. Non, mais Monaco, c'est impossible de jouer. Manicourt. Monza. Manicourt. On a tous la le même Bol d'Or. Bol d'Or. Manicourt. Alors là, il y a le Melbourne, là, pour l'instant. Ouais, bah, mets Melbourne pour l'instant. Et tu mets un tour de qualif pour la première pour qu'on puisse se chauffer. Non, il n'y a pas de qualif. Oui, mais là, c'est la première. Non, sur l'affiche. Et on s'en fout, gros. Quoi, y a marqué quoi ? C'est pour que tout le monde puisse prendre les trucs en main, parce que si on commence direct avec le départ, ça va être un coche. Okay, et okay, du coup, va. Question, on a tous la même bagnole. Ouais. Non, mais... C'est la Formule 1. Mais je veux dire, la voiture, après... ça prend pas en compte, tu prends le truc égal comme ça, même si t'es sur une Williams, tu vas aussi vite qu'une Ferrari. Prenez la Mercedes, si vous voulez pas être emmerdé. Je vous propose une facile avec, genre le Spielberg Autriche. Vas-y, t'inquiète, fais ce que tu veux, juste mais pour la toute première, mais un tour de qualif que les gens puissent voir les mains. Parce que je sais même pas comment ça se joue avec la manette. Tu peux rejoindre. Ah ouais. Ça doit vraiment être gâchette droite accélérée, gâchette gauche freinée, tournée. Hein, dans la simplicité. Il y a pas trop de frein à main sur une Formule 1. Mode ERS, il faut l'activer. Donc je vous mets une qualif, c'est ça? Un tour de qualif? Un tour, ouais. Moi, un tour de qualif. Ok. Toute première fois. Attendez, c'est bon, il manque. Positionné, quoi. Il manque à 2 secondes. Il manque Gaxari. Non, c'est bon. Il manque PA. PA qui est monstrueux sur le jeu. Hein. On annonce dessus. Encore? Ouais, non, mais c'est une de ses SP. Hein. Injouable. Imprenable. Le terme est lancé. Il est injouable, le mec. Il est injouable. En gros. Vas-y, je suis prêt, mais t'es prêt, les gars? Attends, moi, quelques petites. Vas-y, je suis prêt. J'ai passé ma vie dans son rétro, quoi. Aïe. Toute première fois. Putain, mais qu'est-ce que t'as dans la tête, mon bon Gige? Ah, du Jeanne Masse, quoi. Bon. Putain, t'es chaud, toi. Ouais. Les années 80, quoi. Peut-être nous faire un autre truc, peut-être, que t'as dans la tête. Tu connais une boule de flipper? Oh, c'est comme une boule de flipper. Ouais, j'aime pas trop. Pas. Tu connais? Magnifique. Could be brown, it could be blue, it could be purple, it's sky. Pour les games, I could be purple, I could be blue. Ah, mais ça va lancer sans PA? I could be sky. Non, j'ai rien fait encore. Ça va exploser, c'est parce que vous êtes mis prêt. Oh non. Attends, mais tout le monde est prêt. Aïe, putain. Pourquoi PA, il y a... Ah, mais il est pas dedans le game. Aïe. Oh bah c'est pas grave, on fait la qualif. Ça charge. On fait. L'Autriche, tranquille. Bah non, mais il y a pas PA. Non, mais c'est pas grave. Il manque... On va se recoller. C'est un tour de qualif, là. Bah en fait, on s'en fout. Ouais, mais dès qu'il se coule, nous... On fait un petit tour. Comme Hugo pour... C'est quand même... Enfin, désolé de faire un peu le ouf, mais c'est quand même ouf de jouer à un jeu comme ça sur tel, quand même. Quand même. Parce que c'est quand même un gros jeu, tu vois. Je suis complètement d'accord. Il est lourd. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, hein, complètement d'accord. On va prendre des sens à ce gros jeu. Je vais t'arracher sur. Fais un petit malus pour gérer à faire. Alors attention. Ah mais arrêtez. Un petit malus pour le mec est dernier, connard. T'es trop fort. Je vais m'énerver, Xavier. Quoi ? Je crois pas, non. Pour F1, ils disent qu'il faut embrayer avec la touche A puis la gâchette pour avancer. Ah, ouais, ça, pas le dire. Mais pour le départ. C'est que pour le départ. Pour le départ, ouais. C'est quoi? Hyper fast! Il faut embrayer avec la touche A et ensuite la gâchette pour partir, mais ensuite tu lâches A et tu joues normal. Ah, c'est bon, les départs rapides, évidemment. C'est quoi, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est fait juste croix. Les pneumatiques, réglages, on s'en fout. Faites juste OK, vous attendez. Vous attendez juste que ça charge et c'est parti, mon kiki! Départ lancé, évidemment, dans les qualifications, c'est parti. Voilà, je sais pas qui est-ce qu'on voit là. Oh, c'est Xari. D'ores et déjà parti. Oh là, pff, la vitesse. Oui, là, les assistants. Ah putain, mais là, c'est vraiment comme Forza. Ok. Oh, la vitesse à laquelle il est passé sur l'épingle.
Ça veut rien dire du tout. 314, ah 315. Ou oh, par contre, j'ai, oh non, mais j'ai l'impression pas... oh là là, que Xarine Romain Grosjean a voulu trop en faire comme d'habitude. Mais non, 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 pas du tout. Comme d'habitude, aïe, aïe, aïe. Le coup. Merci. Pas de rien. Play. Bon bah c'est pour moi. Hugo a choisi la vue d'intérieur. Ouais, je pense que c'est mieux aussi. Mais comment tu changes la vue? Je sais pas. RB, ça, RB. Le RB, bouton, LB. Voilà, RB ou R1 pour les intimes. Non, on accélère en sortie de virage, pas avant la sortie de virage. Sinon, évidemment, on rate la trajectoire. Jumpé qui a choisi la vue très très proche de son véhicule, mais toujours de derrière. Bon, y a c'est possible les... de faire des têtes à queue avec ces véhicules. Oui. Ah bah oui, je viens d'en faire un de 85 tonneaux, je viens de faire. Il y a des points de freinage d'indiqués, il y a absolument non, mais vraiment. C'est vraiment oh le mode. Hein. Ça va être magnifique. Ah mais PA va pouvoir jouer, il faut qu'on refasse après. Je peux jouer là, mais j'attends. Non, mais on va le refaire. Je finis le tour et... C'est où le circuit là? J'ai envie de tout casser. Mais Jiria, que se passe-t-il? Ah, il s'est passé une dinguerie là. Oh, pas te mentir que ça fait 4 fois que je vais dans le vent là. Jiria, le point de freinage, bien joué. Allez. Qualification. Quand c'est vert, c'est à fond. Hein. Ouais, c'est normal, c'est parce que... Ouh là, on n'est pas trop sur la trajectoire. Je connais pas la map, je connais pas. Oh. La corde qui est mangée. Oh, il suffit juste de suivre les lignes. Oh, c'est tellement bizarre de jouer à la manette. Tu vois les lignes. C'est bon? Ouais, par contre, je vais bien essayer ça, c'est pas possible. Là, tu piles. Il te faut les contrôles analogiques pour jouer à ça. Pas jouer au clavier. Ok, d'accord. Non mais au volant. Ce n'est pas. Au volant, ça disait quoi les temps? Ça n'est pas Trackmania. Jumpé premier, ensuite je crois que c'est moi. Putain, Jumpé trop fort. Ah là moi là. Je faisais des donuts. On peut quitter, chier, on ouais. Doit quitter là. 12, une 17, ouais, vous pouvez quitter. Est-ce que vous voulez refaire le même circuit du coup? Parce que PA il a pas fait. Je m'en fous, tranquille. Non mais vas-y, fais. Ouais, je... Fais ça, après tu mettras. Fais ça. N'embrouillez pas les mecs. Je t'agresse pas, Mais juste confirmer. T'as réussi à rejoindre Domingo? J'ai pas eu d'invite encore là. D'accord, ça enchaîne, je fais ça. Ah, parce qu'en fait, ça enchaîne, il faut qu'on. Ah merde! Ouais, ah, okay. Vous pouvez pas quitter, quitter cette que... histoire. Ouais. Histoire qu'on puisse quand même. Deux semaines après, je l'ai déjà quitté. Qu'on puisse faire quelques maps. J'ai hâte de vous voir tous sur la même map sur F1 2019. Je dois bien vous avouer que ça doit être grisant. Allez, c'est reparti. C'est le mot. Hein. Étant donné qu'il reste 20 minutes. RS4 Grinardo, je pense qu'on a le temps de faire 3 courses. Là, normalement. Au moins faire Monza et Spa, histoire de se. Oui, et Paul Ricard. Ou sinon, tu fais Melbourne, c'est le premier circuit. Tout le monde. Ou Melbourne, ouais, j'avoue. Tu fais Melbourne, n'est-ce pas? Et tout le monde connaît. Ok, je crois que je suis dedans. Les circuits en ville où vous allez taper les bandes, ça peut être sympa. De quoi? Et Domi est dedans. L'Autrichien. Ça charge, moi. Les circuits en ville, évitez les circuits en ville. Ça charge aussi. Non, non, mais les circuits en ville, c'est un cauchemar. Ouais, là, je suis à Melbourne, du coup. Ça va, Gigi? Okay, bah. Qu'est-ce qu'il y a, Gigi? J'ai tout cassé. Oh putain. Non. J'ai au bout, là. Tout cassé. J'ai tout cassé. Ça y est, requête de participation. Et bon, nous sommes ensemble. Okay, c'est bon. Let's go, Imo. Mais tout cassé. Il manque le Xav. Non, je suis là, je suis là. Il manque la. Ouais, Magla impeccable, Hugo, oui, Xari, oui, Domingo, oui, je me fais oui. Oui, oui, peut-être. Allez, 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 on pousse, on pousse, on pousse. Il en manque plus qu'un ou pas? Allez. Oh. Jumpé, faut le réinviter. C'est bon, c'est bon. La Gige. Faut pas appuyer là. 2 semaines après, je l'ai déjà quitté. Moi, j'ai sa requête. Non, mais de faut attendre. Là, t'as juste à attendre normalement. Ok, ça oui, Magaté. J'ai eu la même, je crois. RS4 Grinardo. Il attend, bien sûr. Bon, vous avez vraiment tous la même voiture, hein, comme vous oui, le voyez. Oui, en fait, c'est même les voitures. Là, c'est les voitures du multicar. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est vraiment le skill. C'est bien qu'il y ait ce genre de mode-là, justement, où tout le monde a la même caisse, juste pour s'amuser. Tu relances le jeu? Je vais relancer. Pour moi, que si t'as Williams, frère, t'es pas très sympa. C'est ça. T'es pas très content, pardon. C'est ça. C'est j'avoue. Est-ce que tu peux définir Williams? Force India. Pour les, ah, en gros, pour les non-connoisseurs. Non, mais c'est juste que Williams, malheureusement, c'est ouais, les voitures bottom du plateau, tier un peu de... là. D'accord. Et Mercedes, c'est meilleur. Genre par exemple, le pilote Williams de la saison, il a fait que des, que, il a jamais été dans les points pendant toute la saison. Et là, Lewis Hamilton, il y avait le Covid, il a pris une Mercedes et il a fait deuxième sur la grille. Ah, fait, mais c'est ce que tu racontais. Il a fait deuxième en qualif et il a mené pendant une grande partie du Grand Prix. Après, vraiment, quelques petits problèmes et du coup il a c'est la preuve qu'il est bon mais ça doit être horrible chef, du coup quoi, d'être non parce que t'es quand même F1 donc tu t'apprends en fait c'est juste t'apprends pour plus tard avoir une bonne voiture ouais. Et être le boss ouais, ils n'ont pas changé là pour parler un peu sur le châssis là je sais pas quoi non ils veulent pas standardiser un peu ou limiter Là je sais pour je crois que pour la saison d'après il y a un petit changement mais pas grand chose mais par contre la saison encore après là ça va être ouais ils vont changer beaucoup de trucs. Je me suis jamais intéressé à la F1, mais à chaque fois que vous en parlez, ça a l'air passionnant. Regarde le truc Netflix, bah ouais. Ouais, même si c'est pour ouais, là. Je sais, tu me l'as déjà dit. C'est bien pour ceux qui connaissent rien, tu vois. Parce qu'il faut moi, je connais rien et j'aime bien regarder, mais je connais rien en vrai, tu vois. Ils ont quasiment jamais été aussi rapides alors qu'ils réduisent la cylindrée année après année après année après année. Depuis qu'ils ont introduit en plus l'hybridation, la mini-hybridation dans les voitures, t'as un genre de boost
en F1 maintenant que tu peux utiliser à quasiment tous les DRS, tours et recharger au freinage. Ah d'accord, ok. C'est comme si tu avais un champignon et que tu peux l'utiliser quand un tu peu veux, quoi, tu en gros, tu as la batterie et tu as le DRS, tu as deux trucs en fait. Okay. Mais la batterie, c'est un truc que toi, que le pilote va gérer, etc. Ouais. Et le DRS, c'est si tu es à moins d'une seconde d'une voiture et dans certaines zones, tu peux l'activer. En gros, ça active un petit aileron et ça permet d'aller plus vite et donc de faire plus de dépassements. C'est-à-dire que celui de derrière, il va aller forcément plus vite parce qu'il va avoir aspi plus DRS. Il va pouvoir dépasser. Ah, je savais pas. Et par contre, ça marche que si tu es derrière une voiture. Quoi. Okay. C'est vraiment la folie, la F1, c'est juste que Lewis Hamilton et Mercedes dégoûtent, quoi. Bah en fait, le problème, c'est que là, il y a une écurie qui est vraiment tellement devant. C'est un peu les Nadal de la F1, quoi. Bah, c'est pas ça, c'est qu'ils sont trop forts. Hamilton est vraiment fort, et la W10, la voiture, la Mercedes AMG, est incroyable. Et la W11 qu'ils ont prévue est encore plus exceptionnelle. Ouais, donc, il va être craqué encore quelques années, quoi. Ah, mais en fait, le truc, c'est que les Grands Prix où il y a des problèmes techniques sur la Mercedes, c'est les meilleurs Grands Prix, parce que du coup, il y a un vrai fight entre les autres, tu vois. C'est ça. Ils survolent tellement gros le championnat, c'est hallucinant. Quand tu regardes le championnat constructeur, je sais pas combien de points d'avance ils ont, mais ils ont au moins 200 points d'avance. Tu veux vomir là ? Non. Je sais pas, tu parlais intérieurement. Ah ouais, il va lâcher une dinguerie. Vous vouliez qu'on parle un peu F1, on a parlé F1, on est désolé. Vous pouvez lancer la game ou pas là ? On est dedans. Allez, c'est parti, let's go ! Un peu de Formule 1, sur un peu du kart quelque part. Qualifier un tour ? Non, mais du coup, il n'y a pas ça. Ok, d'accord. Tu l'auras après, pas. Ça lance la partie tout de suite, là ? Non, c'est qualif un tour, et ensuite, il y aura un départ arrêté. Merci. N'oubliez pas, maintenez le bouton A pour le départ arrêté, relâchez-le au bon moment. Je peux pas vous mentir que le départ, c'est ma spécialité. Sur manette, c'est ma spécialité. Après, je suis rincé. T'as plus d'une seule spécialité. J'ai vu ta petite sortie de piste. Ah, mais sur F1, à la manette, j'ai aucune spécialité, vraiment. Hugo, au lancer pour le tour. Toujours en vue d'intérieur. Ouh, attention, le point de freinage un peu tardif, mais c'est pas grave. Hein. L'assistance au freinage l'a bien récupéré. Ah oui, en effet. Propre. Faut récupérer un peu sur la droite là parce que ça va partir en épingle à droite. Là, c'était bien à gauche, bien sûr. Voilà. Ouh, il a freiné dans le virage. Ce qui est limite l'occasion de faire un tête à queue, mais visiblement, ce F1 est permissif. Ah, mais là, on a full aide, hein. On a toutes les aides. Ouais, j'ai vu ça. Hein. C'est. Il y a des choses qui ne devraient pas arriver. Déjà, si vous pilez sur les freins, normalement, c'est fini. Éliminer, c'est dehors. Un peu de piété. C'est dur, hein, en vrai. C'est super comme les doigtés, mais avec les pieds. C'est hyper sensible, hein, je trouve. Ouais. Hop. Ouais, mais ça va tellement vite, c'est grisant. C'est vrai qu'elle répond, mais 100 fois mieux que sur Forza, quoi. Ah, Jiraya, t'es tellement propre, là. C'est pas les mêmes lieux, c'est sûr. Ouais, mais. Forza, c'est bien, franchement. C'est surtout pas les mêmes voitures. C'est sûr que Forza, t'as l'impression que ça répond pas. Mais la vérité, c'est que quand tu conduis, évidemment, une Ford ST, c'est pas la même chose. Oh putain, que, mais. Oh, mais aïe, ma gueule! Rends ouf ça, franchement, c'est n'importe quoi. En vrai, la Formule 1, c'est une des. Enfin, les monoplaces et tout, c'est les seules voitures. Non, mais attends, mais c'est une blague. Ou plus tu vas vite, plus t'as d'adhérence, quoi. Oui, c'est. Collé au sol. C'est vrai. Alors qu'une voiture normale, normalement, c'est... Non, mais c'est ultra sensible, je fais de la merde depuis tout à l'heure. Ah, mais c'est dur, hein, c'est mais dur. Mais pourquoi ma voiture, elle tourne... Mais attends, gros. Mais elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même, je suis pas sur du gravier pourtant, là, je comprends pas. En fait, je pense qu'il faut jouer juste full safe. Oh, le temps autour à nous. Regarde, attends. Ouais, Jiraya, tu glisses un peu, ouais. Ah, on est d'accord, mais c'est normal ou pas? Oui. En gros, si t'es en première et que t'accélères d'un coup, ça va forcément faire un donut, quoi. Ouais, il faut vraiment accélérer tout doucement si t'es en première. Il faut être un peu plus sensible sur l'accélération, c'est pas Mario Kart 01, hein, c'est sûr. Ouais, je suis sorti de la route. C'est combien ? Une 32. Un temps dur à qualification jouer. C'est dur. Oh non. T'as combien, Jiraya ? Il y a marqué ton temps ? Une 49. Bah oui, mais moi je suis sorti, j'ai pris un mur, j'ai dû reculer. T'es 3ème. Pas grave, c'est pas grave. J'ai pris 3 murs, moi. C'est pas la mort. Trop fort, Gige. J'ai trop nul. Et Domingo, il est DSQ. J'étais disqualifié. Ah ouais ? Oh, ça s'annonce bien. Bon, c'est peut-être pour l'équipe Le Mob, hein, celle-ci. Non, Xavier, il a fini premier. Ouais, mais... Après, c'est parce que c'est le circuit que je connais le mieux aussi, donc je connais à peu près les. Ah, bah voilà. Ah, tu l'as pas dit pour rien. C'est le premier circuit. C'est là où il faut appuyer sur A et la gâchette. A tout le long et gâchette quand c'est vert. Non, au contraire, c'est gâchette. En gros, tu restes à 12 000 tours, t'appuies sur A et tu lâches A quand tu dois faire le. Ouais. Là, faut rester appuyé sur les deux. Gâchette jusqu'à 12 000. 12 000 tours. Et A. Et quand tu vois les feux verts, tu lâches le A. Ok, d'accord. Okay, ça marche. Merci. Pour le départ rapide, impeccable, tout le monde a compris. C'est un peu comme Kirby Samurai, c'est le réflexe pour lâcher le bouton. La concentration de Jiraya. Ah, c'est vrai. Après, j'avoue, honnêtement, là, on y joue sur téléphone et tout pour prouver qu'on peut y jouer, mais
ce jeu-là, ces jeux-là, il faut jouer avec un volant et tout pour avoir vraiment le meilleur truc. Oh, il pleut. Oh, là, il pleut. Il pleut. Aïe, aïe, aïe. Oh, quel enfer. Alors, vous allez peut-être plus bénéficier... Enfin, favoriser peut-être les trajectoires extérieures pour pas avoir trop à braquer. Oula, oui, c'est parti, à fond de balle, là. Attendez, mais... Il y a eu de la pénalité, là. Eh ouais, mais tout le monde est parti, du coup. Oh là 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 là. Ah, mais je pensais qu'au cinquième, c'était vert, mais en fait... Non, mais il y a des collisions, il y a des collisions. Bah oui, normal. Oh, merde. Et vu que Jiraya est parti, je suis parti, tout le monde est parti. Ah ouais, vous êtes parti sans attendre le feu. C'est parfait, drapeau vert. Qu'est-ce que je collisionne, là? On est bien. Ah, il faut freiner là-dessus. Mais je vois rien. Ah, et attention, les freins sont moins efficaces sous la pluie, hein. Ça se sent tout de suite. Il y a du... Il y a de... J'ai en tête, hein, suivi par Hugo. Magla qui est partie en tête à queue, probablement, je ne sais pas. Non, Magla, c'est bon, j'ai redressé. Magla, je l'ai vu partir à ma droite, elle est allée directement dans l'herbe. Ah, Magla, attention, hein. Moi, j'aime le hors-piste, hein. Petit drapeau vert, ça n'est pas très grave. Et en fait, c'est que Jiraya, en gros, il est parti, il m'est passé à travers. Et c'est Domingo, hein, qui... Ouais, c'est vrai, c'est un délire comme ça. Et chassé par Gary. Tu m'es passé à travers, je me suis dit, attends, il y a un bug, et du coup, j'ai accéléré. Ah, Hugo qui s'est fait dépasser par Domingo, non? Ouais, je suis allé à l'extérieur. Ouais, mais de John de la Pay map, est passé entre temps. Putain, c'est l'enfer avec la pluie et tout. Voilà, j'avoue. Hein. Wow. C'est toi le premier là. C'est beau, peut-être, ouais, j'imagine. Ouais, c'est toi. Je suis derrière toi, donc on se régale. On voit que dalle. On voit rien du tout. Oh là là, oh là là. Vous savez comment on change de vue, les gars, ou pas? RB. Ok. Ah, c'est fini pour moi, ça y est. Voilà, ici. Les boutons. Oh là là. Soyez tranquille, soyez tranquille. J'ai profité. Oh, bah, tu vas pouvoir reprendre la tête, toi, mon petit. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, Junpei passe 1, Domingo juste derrière. J'ai voulu éviter Junpei. Ouais. Ah, mais moi aussi, putain, mais quel coach. Le point de vue de Junpei, pas mal, hein. Junpei, profite, Magla. Pénalité de passage au sort, pénalité observée, hein, je vous rappelle. Tous ceux qui sont partis comme des schlags. Est-ce qu'on recommencerait pas la course du coup? Ah, bah non. Tout le monde est parti n'importe comment. C'est pas grave, vous faites une pénalité. Pénalité à droite, faut absolument que vous la preniez. Oh là 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 là. Alors ça, ça va se payer cher. Ah non, mais c'est un stop and go dans les deux tours, mais c'est impossible, gros. Ah non, mais putain, j'ai pas mais piqué, tout le monde doit le faire, de toute façon. Non, dégage. Vous n'avez pas le choix. Non, va-t'en. Junpei qui est premier, mais qui n'a pas observé sa pénalité, il va se faire éliminer, hein. Oh non, parce qu'il a encore un tour pour le faire. Ok. Comment ça, 2 secondes de pénalité, j'ai rien fait? Parce que t'as mangé un virage. Oh non, mais ouais. Ouais. On doit aller au stand, là. Ah, mais c'est moi qui conduis, là. Attends, et pourquoi je conduis plus? Ah, le stop and go du mal absolu, là. Trois tours, stop and go, c'est un cauchemar. Hein. Pourquoi? Bah ouais, mais là, fallait pas partir Tout le monde là, parce qu'on est tous partis en avance, parce que Jiraya, il a décidé de partir direct. On peut pas faire confiance à Junpei, qui essaie de faire quand même un tour de qualification, là. Mais il va devoir s'arrêter au stand, sinon c'est l'élimination, malheureusement, pour lui. Et ça, je dois faire ça à chaque tour? Non, juste une fois. C'est bon, une fois. T'observes une pénalité et c'est bon. Parce que c'est long, hein. Bah ouais, je sais bien, qu'est-ce que tu veux. Propre, Junpei qui a apprivoisé un peu la pluie, là. Sinon, tu reprends des pénas. Il roule tout de même sur la trajectoire relativement sèche. Même ça pleut quand même des trombes. Ouh, le freinage, Domingo. Ouh, pou. Ça coupe. Ouais, c'était à l'apex avant d'être à l'extérieur. Oh, la pluie, mais c'est hallucinant, là. Ah bah faut pas être en vue d'intérieur, hein. De toute façon, la vue d'intérieur pue la merde. C'est quoi la vue dans d'intérieur ce genre de situation, la Jiraya, oh il a non, la confiance. En vue d'intérieur, il veut vivre les sensations, il veut vivre le halo. Canet, j'ai envie de canet. Parfait, c'est passé, nickel. T'es repris un avertissement, père? Ouais, je cut, moi. Ouais, mais c'est une pénalité de seconde, t'as pas besoin de revenir dans le centre. Ouais. Je crois, avertissement, t'as rien, non? Ou si? Non, t'as un avertissement, après t'as pénalité. Mais putain, mais ma voiture elle glisse, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. C'est sous ça la va, Magla, mais Magla, je crois, a lâché le. Moi, je suis disqualifié. Oh non. La disqualification de Magla, malheureusement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. Je faisais ma route tranquille, on m'a disqualifié. Ouais, bah t'as pas dû observer ta pénalité, non? Ouais, peut-être, ouais. Fallait passer au stand, toi aussi t'as dû griller. Ah non, moi j'ai dit fuck le stand. Hein. Le départ. Et Junpei, là c'est quand qu'il est. C'est bon, là j'y suis au stand. Junpei, il va y aller, là il y va. En fait, il y va. Il y a le moment. Putain, mais toujours ici. Junpei au stand. C'est le moment peut-être de le dépasser juste derrière. Domingo, a-t-il fait un assez bon temps pour pouvoir le dépasser? Junpei a fait un super tour. Domingo dans la ligne des stands. Il repasse P1. Meilleur temps pour Domingo. C'est terminé là du coup? Non, non, il reste un tour. Oh là là, je vais pas tenir devant. Un tour avec une pression de folie. Ah, le Junpei et Jiraya en chasse de Domingo. Vous arrêtez loin. Ah mais moi il y a eu un corambolage, hein. Moi j'ai essayé d'esquiver tout le monde et... Ouais pareil, aïe, 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 aïe. Ah, ça va dépendre évidemment de la capacité de Domingo à être constant dans sa conduite malgré la pluie. Bah Tiltman, tu vas découvrir. Oh non, pas toi. Mais non. Pas le showrunner. Oh, c'est bon, pas de tête à queue là-dessus. Il réaccélère bien.
Il renvoie les chevaux. Ah, il me tire, mais putain. Mais gros, tu t'es mis en travers. Oh, ah, par là, contre, ouais, Xarri versus Jiraya. Mais Xarri versus Jiraya, c'est pas propre. Mais gros, t'étais... Oh, tu as eu ton permis ou toi, putain. Mais non, mais Jiraya, n'importe quoi. Oh non. Ouais, Xarri en travers. Xarri en travers, mais Domingo, toujours aussi bien. Petit drapeau jaune, interdiction de dépasser. Ça va pas être grave. Ouh, c'est freinage tard, là. Si, j'étais droit. Non. La vitesse à laquelle t'es passé, ça. Oh, ça c'est pénalité. Regarde-moi, regarde-moi quand tu dis ça. J'étais droit comme un i. Il était en plein milieu de la route. Attention, pénalité que tu peux prendre en cutant. C'est dans l'herbe. Choke ou pas de choke? Non, mais c'est chaud là, la voiture le fait nimp. Ouais, il est toujours devant Domingo. À 3 virages de la ligne droite des stands maintenant. Ok, oh, essaye de doubler. Proprement, voilà, ce gauche. Oh, ça cut salement. 2 secondes de pénalité, il l'a pris là dans perdu, les dents. Du coup. Après avoir cuté, sachant que Jumpay est juste derrière, la pénalité va peut-être faire changer tout le résultat dans la ligne droite des stands. Aïe, ça accélère pleine balle. Drapeau à Damier et Domingo qui passe premier, mais qui ne veut pas forcément dire qu'il est arrivé premier sur c'est cette C'est fini map. Là ouais. C'est terminé. On va regarder après. T'es sûr qu'il a pris de la pénalité? Ouais, il a pris des pénalités, Domingo, c'est sûr. Je l'ai vu. On va regarder après, après étalonnage des pénalités. De t'as pris que 2 secondes. Ah ouais, bah c'est ça alors. Mais putain, mais là je freine comme il faut. Eh Magla, bien joué ça. Ouais, attends. On va la chercher là. Ouais, je vais la chercher, ouais. DSQ, il hein, y a marqué à côté de nos pseudos. Non mais ça c'est parce que ça a bugué, ça veut dire que je suis passé oui. vraiment en première. Pouf, moi je vous regardais, j'ai fini c'est en bail. C'est chaud, hein. On se fait un petit spa. Un petit spa. Allez. J'espère qu'il ne par contre, je crois John. Alors attendez, au niveau de... Laissez le scoreboard, hein, les gars. Domingo, normalement, est bien arrivé en tête. Mais le scoreboard va nous dire, après pénalité, hein, si... gagne le point ici. C'est moi. Si, toujours en tête. Ouais, c'est bien Domingo. Impeccable. A été bon. GG, point pour Domingo. Et trop fort. Qui récupère un point pour la team des Challengers. Fois 6. Fois 6, ouais. Fois 8, ouais. Ouais, fois 8, c'est un fois 25. C'est un fois 8, celui-là. Ouais. Et du coup, ouais, Junpei, essaye de checker pour voir la météo, tu sais, la laisser en... J'avoue que pluie, c'est ouais, vraiment ouais, pas si plaisir. Éventuellement, ouais. C'est pas dingue, la pluie. Tu peux mettre genre beau soleil, genre pas de nuages, vraiment, rien. Et si vous pouviez ne pas foirer votre départ, qu'on passe pas au sol. Et ce sera la dernière course. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est le temps. J'annonce que les points comptent quoi, 6. Les points comptent 6. 8, on a dit. Quoi, 8. 1,46, Hugo, quand même, le meilleur temps autour. Ouais, mais il a été très bon. Ah, mais il est imprenable. J'ai master au dernier tour, en fait. Il est intestable, le bâtard. Ouais, on nous dit en régie qu'on peut faire 2 courses encore, peut-être. Bah voilà. Mais il est 20. Il est 20. Et il reste 5 minutes. Ouais, en fait, il est 20, il reste 5 minutes. À mon avis, on fera jamais les 2 courses. Oui, oui, ouais. On se fait non, quoi non, il reste, ça va, reste ça, 5 minutes. Hein. Ça va cut quand même. Il y a des mecs qui ont 140 km par heure pour rentrer chez eux. Moi, c'est marqué en attente de joueurs. Non, mais t'inquiète, les points, on s'en fiche, gros. Ça charge. Mais mets 10 points pour Domingo et voilà. Balek. Ah, mais Domingo, GG, hein. Première course en portée. Alors, vous avez remarqué, hein, si vous faites un pas départ, vous allez pouvoir repasser dans les stands. Ah, bah moi, dès qu'on parle moteur. Tout ce qui est méca, tout ce qui est vilebrequin, tout ce qui est. Tout ce qui est joie de classe, quoi. Non, vilebrequin, par contre, sans être fan d'automobile, ils sont très cool. Ils sont cool, hein. Ah, oui, tu parlais de la chaîne. C'est quand qu'on les invite dans le récap, d'ailleurs. Ah, oui, pardon. C'est vrai que c'est. Ah, non, mais en vrai, c'est les inviter dans Popcorn, non coup, là, tu leur as déjà demandé ou pas? Non, mais je sais, vous en avez parlé. Enfin, avec l'histoire de la cagnotte qu'ils ont fait, ça se fait, non? Ah, ça régale, il régale. Hein. Du coup, il faut que tu changes juste la météo et le. Ah oui. Et le... Vas-y, je. Il sait ce qu'il fait. Et il est bon, il est bon. Ah, ah tu mets Monza, du coup, tu mets pas ouais, je mets un autre truc. D'accord, bah fais-toi plaisir. Ah, mets Monza. Il n'y a pas de soucis, moi, je suis open à tout. Disons, moi, du moment qu'il y a de la virgue. Paramètre de la course. De la virgule. Ouais, de la virgule, de la virgule quoi, mais bon. Qu'il est drôle ce mec, c'est tu fou. Connais pas le vocab, me parle pas. Un jour quoi, la formule peut-être dans F1. De la virgule au niveau des virages. La chicane quoi, la chicane. Ah, de la chic, ok, excuse-moi. La chic, bah oui. Tu utilises encore le old language, pardon. Il n'est pas à jour. Pardon, quoi. Je suis encore en 2020, ouais, 2020. Je suis en 2077, frère. Putain, tu t'en sors du thé Cyberpunk. Bah, je sais pas où est le truc du. La météo. Ouais, c'est quoi tente là et on a une chance sur deux de ne pas l'avoir. Allez, météo, il y a marqué dynamique. T'avais du challenge. Ouais, bah, dynamique, c'est on a une chance sur deux d'avoir de la pluie. Ah bah voilà, let's go. C'est pas grave. Voilà, allez, let's go, préparez-vous. Si on a de la pluie, je quitte le plateau. Oh, Italie. On part en Monza. Elle est très très loin, cette parabolique. Est-ce que je vous mets... Accélère.
L'Italie, du coup, Monza. L'Italie, on rappelle qu'ils sont champions du monde 2006. C'est genre vraiment... C'est faux, hein. Materazzi, on s'en rappelle. Non, c'est vrai. Magnifique coup de tête. Mmh. Magnifique... bah, Materazzi... Tranquillamente. Buonasera. Sono passato. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Norman, apprends des mots italiens, ne se fait pas comprendre. Il me fume ce con. Oh, il me smoke quoi. Alors ça repart en qualification encore ? Bah allez, ouais, on est parti. Hein, on est toujours sur la règle du parc fermé. Hein, ouais. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus, mon pote. On est parti hyper fast. Là au début, faut piler de ouf, je crois. Ouais, la parabolique là. Non, là faut y aller à fond. Dans Monza, faut piler que dans deux chicanes, sinon tout le reste est pied dedans. Hein. D'ailleurs, ils ont mis les chicanes parce que trop de gens se tuaient sur cette sérieux piste. Ouais. Bon, ils ont mis deux chicanes pour ralentir. Ça pétait les moteurs et les gens se tuaient, en fait, littéralement, sur cette... Oh, j'ai pris l'herbe, je suis une tondeuse, je suis déjà à 2 secondes en retard, là. Oh, c'est pas grave, hein. Tout le reste, c'est à fond. C'est facile quand même à enculer Monza. Ouais, ça fait que de tourner. Heureusement que j'ai pas bouffé, hein, putain. C'est dur de mettre des petits à-coups. Et putain, ouais, la manette, c'est un enfer. Parfait, tranquille, Domingo. Ah, ça mange là quand j'ai même, Domingo. J'ai envie de la chicane, mais comme... Ah, tu vas te prendre une pénalité, après tu vas te faire disqualifier. Voilà. Ah, fais pas ça, mec. Ah, franchement, ce serait une connerie. Hein. la DSU, c'est pas ouf. Hein. Je vais pas te mentir, avec Jiraya, on a joué avec Gota. Il m'a fait rire, je suis mort. Et crois-moi mais c'est vrai que vous aviez déjà... Enfin, crois-moi qu'il coupait. Gigi, hein. A déjà joué. Qui? Gigi, tu as déjà joué, toi. Non, c'était pas celui-là. C'est pas lui? Non, c'était le 2020, mais c'est à peu près le même genre. Non, ça avait le gameplay, rien à voir. Non, parce que dans le 2020, il n'y a vraiment rien à voir quoi. 2020, je crois qu'il y avait l'aide au stationnement sur les véhicules. L'aide au stas. La caméra de recul. La caméra de recul, bien sûr. Aucun report. Gagner du poids, attention à pas trop couper là. Je sais que c'est piégeux, on a envie de couper. J'ai envie ici. De couper, de cut. Ouais. Moi j'ai pas. Cut, Accélère! Parfait, pleine ligne droite, pleine balle ici pour la grande épingle de Monza. Belle perf, hein, le Xav impeccable. Non, mais tu l'entendais tout à l'heure, il a passé 100 km dans l'herbe. Ah ouais, une 25. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que Oh, on est proche. Hein. Bah, ouais, oui, une 25, une 26, c'est très proche. Non, mais quand j'ai dit je suis passé dans l'herbe, j'ai fait un tête. Oh, Domingo. Oh, voilà, Domingo. J'ai fait un tête à queue. Oh là 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 là. Oui, ah, moi aussi, là, je vais partir là. Non, je suis pas disqualifié. C'est combien de tours? 6 3. Ah, c'est Gigi. Retour. C'est moi, mais parce que j'étais en marche arrière à un moment, je visitais un peu le. Boss flemme, j'ai fait tomber mon mégot. C'est vraiment trop cool de pouvoir paramétrer des maps avec juste un tour de qualif et ensuite faire une course. Tu peux même faire grille aléatoire. Qui tu quel trop te faire plein de trucs. Allez, on y va, ouais. Allez. Bon, par contre, partez pas avant le feu. Non, ouais, attendez bien, le signal c'est quand les quoi, feux rouges s'éteignent. Ouais. Ok. Quand ça. Ah non, quand tout s'éteint. Quand tout s'éteint, tout à fait. C'est sûr. Hein. En gros, tout s'allume et quand les feux rouges s'éteignent, c'est le départ. Ne loupez pas votre départ, les gars. Tranquillamente, guys. No dinguerie, please. No dinguerie. Le dingus. No dingus. Qui est dingus ici, là, autour de cette table? Moi, perso, je suis de la famille des dingues. Et de la famille des dingues. Famille des dingues. C'est mon ami Fletcher. Oh, qu'est-ce qu'on... Oh non, il pleut. Mais oh non, c'est con. Merde. Oh, franchement, Junpei, tu dégoûtes. Ouais, ça casse les couilles, t'abuses, franchement. T'abuses, hein. Oh là là. Vraiment, désolé. Mais Monza sous la pluie, c'est pas Monza. Attention. Ah, attention. Mais non. Mais Jigzari, tu dégoûtes, là. Franchement. J'ai pas fait exprès. Ouais, c'est pas une pénalité, il a perdu. T'es parti au bon moment, je crois. Qui est parti non, au bon moment pas, je crois pas. Moi, oui, je crois. Okay. Si vous êtes parti au bon moment, vous êtes bien, mais en mangeant le départ, c'est mort. Oh merde. Oh là là, mais où vous allez là? J'ai full coupé le virage. Ah, mais Junpei aussi. N'importe quoi. Non, mais moi, j'ai pas coupé. Tu vois rien du tout là, Junpei. Mais tu m'as poussé. Non, mais Domingo, il a fait un. L'assassinat. Désolé, je captais plus rien dans la radio là. C'était bon là. On va falloir faire bel avec les mecs hein, au prochain virage, vous allez voir. Ouais. J'ai rien devant, mais oh, oh là là, il ça. Là, ouais. Ah, bah, c'est autorisé. Hein. Je suis sur un avertissement, mais. Oh, là, là. Non, mais là, c'est plus un avertissement, c'est plus. Oh, mais là, c'est. Excusez-moi, fils. Jiraya, qui était troisième, mais qui visiblement. Je comprends rien, moi, ce jeu, ça me. Mais t'es bon, regarde comme t'es bon. Ça m'énerve, j'ai des trajectoires. Putain, l'organisateur de la Beats Cup qui dit ça, quoi. La Beats Cup. Quoi ? Let's go. Hop, ça freine et ça coupe. Ah bah ça passe. Comment est-ce que les arbitres de piste ne peuvent rien voir ? Je connais pas bien le circuit, gros.
Ouais, mais même, c'est chaud quand même. Quand t'as des trottoirs, tu montes pas sur la pénalité au stand. Attention, c'est qui prend la pénalité? C'est Hugo. Hugo qui doit s'arrêter au stand, lui aussi. Et ça reset les pénalités le départ. Non, c'est sûrement... Oui, non, mais il y a moyen de passer devant tout le monde, parce que si vous avez fait un bon départ, que vous l'avez pas mangé, vous repassez devant tout le monde, là, c'est sûr. Hein. Là, je crois que c'est 3, 5, 10 secondes PA et après c'est disqualifié. Je crois. Ah d'accord, ok, c'est ça. Ah ouais, de toute façon, ça te dit que tu as des avertissements. Qui vient de qui a pas fait la pénalité là du coup? Moi. PA, t'as été bien parti toi? Ouais. Oh là là, et Jumpé aussi. Et Jumpé aussi, du coup Domingo est premier. Allez. Jumpé va le suivre, il a 11 secondes, 5 secondes maintenant. Ah, c'est propre, mais c'est pas la peine de conduire comme une grand-mère, hein. Domingo, tu peux aller plus vite. Ah ouais, dans le chicane. Tu peux aller plus vite, carrément. Mais ouais, je sais que ça fait peur de manger. Ça me dégoûte, putain. Ah, il est tellement devant maintenant. Bah, Domingo qui a juste respecté les règles. Mais quoi? J'ai absolument pas coupé, il est full bourré le mec là. Eh non, le jeu c'est... Respectez la formule. Quand il y a les deux roues sur le trottoir, c'est que vous avez... Voilà. Si vous mettez... moi je croyais que je prenais le bon chemin, mais en fait depuis tout à l'heure je cut. Mais les deux roues dans le ralentisseur, c'est forcément cut. Ok, moi je croyais que le ralentisseur c'était genre au cas où, sortie d'école ou... Bah mais oui, gros, c'est fait pour justement, mais... Oh, ça tente de passer à l'intérieur là, c'est assez sale. J'avoue que c'était assez sale, surtout sous pluie. Il y a me conduisant le savonnette en revéhicule, là. Il donne un stand. Xari qui va essayer de rattraper son retard. Hein. Il a un... T'as quand même... Oh non, non, mais quel... Ah, moi, j'ai fait la pénalité dans le stand, donc forcément... Hein. Ah, j'ai fait la pénalité aussi, ça fait mal. Hein. Ah ouais, j'avoue. Moi, j'ai le drapeau jaune. Drapeau jaune, c'est terrible. Moi, le drapeau jaune. Qui est devant, c'est Domingo, encore. Hein. Je crois que je fais encore une connerie. Oui, pourquoi c'est le drapeau ça. Jaune ah, attention, pas les deux roues sur le ralentisseur, ça m'en fout. Elle est très très loin cette parabolique. Ouais. Ne te laisse pas l'aspirer, non, ne te laisse pas aspirer. Ah là tu peux tout mettre. Le DLSS, le DGSE, la 5G. Tu peux tout foutre pour essayer de cramer Jumpé. Ouais, oh, Domingo, je suis désolé hein, Donald. J'ai fait ce que j'ai pu. Ils ont toutes les assistances. T'as l'aspi là peut-être. T'as l'aspi Xari. L'aspi sur Jumpé. Au freinage, tu le manges. Allez! Oh, il a décalé la freinette! Non, ça par contre, c'est poussette. Non, mais c'est vraiment. Là, il y a poussette. Là, il y a vraiment poussette là. Non, mais. Oh, mais non, mais là, mais. Je suis disqualifié! Mais foutez-moi ça d'or! C'est bon, je suis disqualifié. Je pensais qu'il allait se décaler. C'est bon, je suis disqualifié. Mais quel scandale! Non, mais je pensais qu'il allait se décaler un peu plus à gauche et du coup, je l'ai tapé. Mais en vrai, le je vais pas te mentir. Le chaste. Le last. J'avoue ça. C'est toujours difficile de conduire sur la pluie. Oh, Jumpé, magnifique. Je suis au fond. Un vrai tête à queue. Oh. Ouais, mais bon, là, à cause de la dinguerie de Xari, je suis passé troisième. Hugo m'a passé. C'était un vrai move d'équipe là-dessus. Ouais, Magda, c'est pour toi, Magda, c'est Hugo pour toi. Hein. Hugo, second. Mais c'est toujours Domingo, loin devant. Toi, derrière, la giche. Ouais, c'est bon. Oh, c'est propre, ce qu'il nous fait là, Domingo, il va remporter deux courses. Il aura dominé tout. Il a dominé tous les jeux. Ah ouais. Oui. Mais debout, en bout. Oh, mais c'est propre. Qui va le stop? T'as une voiture, Domingo? Ah non, j'ai pas le permis. Ah, mon pote. T'as même pas le permis. T'as eu le code, bah. Non, t'avais pas eu le code. J'ai eu le code, T'as ah oui, t'as pas passé le permis, d'accord. Mais le permis, ouais, c'était... Après, en karting, je crois qu'il a le troisième temps mondial sur Mais tu l'as tenté. Après, juste, ouais. Après, ouais. Franchement, on demande un partenariat chez Mercedes tout de suite. Oh là là, mais regarde mes drapeaux. Je sais pas, mais putain. Et ben voilà, c'est celui qui n'a pas le permis qui vous attend. Pablo Picasso. Ridiculisé. Allez, Magla. Sur coup de Domingo. C'est vrai, si tu prends pas de disqualification, il y a un truc. On prend peut-être la soirée là. Magla, on croit en toi. Vous mettez trop de pression sur Magla. Magla, c'est bon. C'est fini là. Ah oui, putain, j'étais encore en train de jouer comme un con. C'est terminé. Et les challengers qui vont s'imposer. C'est ce jeu, hein, putain. Ouais, c'est pas mal quand même une fois j'aime que t'es bien, dedans. Ouais, c'est bien. En vrai, c'est pas mal. J'ai envie de avec un vol. Au stick, c'est difficile de doser. Ouais, ça demande un petit coup de main. Je vous assure, à la manette Elite, jouer à un jeu de voiture, c'est le feu. C'est vraiment le feu. Non, mais je sais que t'avais testé au volant, toi, PA, mais que t'avais joué un peu avec des mecs un peu trop chauds. Et donc, du coup, c'était. Non, mais en fait, le jeu est bien, mais c'est vrai que pour vraiment progresser, puisque là, on a quand même beaucoup d'aide. Genre, le moment où. Déjà, rien que passer les vitesses. Ton jeu, c'est marche arrière et compagnie. Imagine juste si là, on a dû passer les vitesses, quoi. Ah, bah là, le jeu freine limite pour vous. La glace, c'est beau. La parabolique était bien. Des mecs un peu débutants, ou alors des mecs qui ont moins d'aide que toi, comme ça, t'es à peu près au même niveau, tu vois. Allez, pour terminer ça avant Xari, suffit juste de pas sortir de la piste. Il y a un seul freinage, un seul et c'est bon. Ouais, t'as bien fait bien avancer ça. Conduite écologique,
c'est bien. Sais, moi, je suis en vitesse mamie, là. Comme ça, ah, ça régale, hein. C'est parfait, c'est là, parfait. Là, tu marques les points. La F1, bon, ouais, la F1 c'est très écolo, tu as raison. Oh, accélère, accélère, oui. Allez, allez la chercher. Le allez. Championnat, Magla, faut aller le chercher, ce allez. Point. Et voilà. Ce point, voilà. Williams. Il est pris. Bravo. Il est là. Malade. Quel enfer. Magnifique. Just malade. Just malade. On va récapituler les points on de cette soirée. Pour voir qui a remporté. Ouais, c'est du point là. Ça, oui, points. Il est disqualifié. Après une domination tout de même assez importante des rois du PAF. Sur le total de F1, on était meilleurs. Sur les premiers jeux. Oui, mais heureusement. Et un Domingo qui a régalé. C'est bien entendu c'est quoi, les rois du PAF qui s'imposent avec 10 points, points suivi des challengers. Les challengers, les vainqueurs, les vrais vainqueurs de la soirée, c'est les challengers. Mais ouais, bravo, ils ont remporté Halo et ils ont remporté F1. Non, non, ils ont tout remporté. Bravo Ken. Oh, magnifique. Hey, c'est quoi, bravo Ken. Et parce que dans leur nom, il y a challenger, 3 points de plus, bravo. Ça régale. Et c'est quoi, je leur donne un point par tablette utilisée ce soir, bravo. Allez, bravo ça, let's go. Ça fait combien du coup, ça fait total, combien du coup, 363 points. Voilà. Le sel est grand, c'est la vie quand même. Il est palpable. Il nous permettra d'assaisonner d'autres sessions de jeu. Merci à tous. Bravo. Merci à Ken. Hein. Merci évidemment à Samsung d'avoir assuré eh bien, ces magnifiques supports pour jouer. C'est vrai qu'ils ont été dans des conditions optimales pour pouvoir profiter du Game Pass. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment Xari, Hugo, Jiraya Junpei. Merci à vous, Domingo Magla, d'avoir participé ici. Ciao. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toute la régie. Bisous à vous tous et rendez-vous demain pour une autre journée de folie sur le stream. Salut. Ciao.